Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo, écouter ce témoignage. Je m'appelle Estelle Njenge et aujourd'hui, j'ai très à cœur de partager mon témoignage de conversion avec Jésus-Christ. Restez avec moi. Alors, j'ai eu une enfance que je qualifierais de particulière. Particulière parce qu'elle est mi-figue, mi-raisin. Donc, après des années aujourd'hui, je dirais mi-figue, mi-raisin. Parce que depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, vraiment, je me suis rendu compte de beaucoup de choses que je n'aurais pas forcément aimé vivre et qui ne me font pas plaisir aujourd'hui, mais je garde aussi de très bons souvenirs. Alors, je n'aurai peut-être pas tout en tête parce que très souvent, c'est au fur et à mesure que j'évolue qu'il y a voilà, des choses qui me reviennent, comme si une partie de mon âme avait effacé un certain nombre de souvenirs, mais je me rends compte en fait que c'était aussi un mécanisme de protection. L'une des choses que je ne pourrais pas oublier, d'abord sur le plan, en fait, on va dire sur le plan positif, c'est que voilà, j'ai eu une famille en apparence stable. Alors quand je dis en apparence stable, c'est que vous aviez papa, maman, voilà, qui sont mariés. Et je préférais quand même ce format de famille-là. Par rapport à certaines de mes amies ou camarades de classe qui, pour un bon nombre d'entre eux, étaient issus de couples divorcés. Et je voyais la souffrance par laquelle voilà, ces amis ou ces camarades passaient. Et je me disais toujours, oh là là, franchement, moi, si mes parents étaient divorcés, qu'est-ce que je serais devenue? C'est quelque chose que je ne supportais pas. D'ailleurs, je me souviens une fois où mes parents étaient en phase de divorce, et voilà, il y avait déjà des échanges de lettres avec des huissiers, des avocats. J'étais devenue hystérique, j'étais devenue mais vraiment hystérique. Donc, l'idée du divorce, pour moi, ça passait pas. Donc, j'étais quand même très contente, en tout cas, d'avoir papa et maman qui, voilà, qui étaient mariés. Bon, à l'époque, voilà, il y avait eu des secousses hein, par rapport au divorce, mais après, ça n'a pas marché. Donc, moi, j'étais plutôt contente. Voilà, sur ce plan-là, ça va, je ne mourrai pas de faim. Voilà, je ne mourrai pas de faim. Voilà, mon père en particulier gagnait plutôt bien sa vie. Voilà, tout se passait bien sur ce plan-là. Mais il y a eu aussi pas mal d'aspects sombres. Déjà, le premier souvenir sombre qui me vient en tête quand je pense à mon enfance, ce sont les abus sexuels. Voilà, malheureusement, bon, il y en a beaucoup qui vivent ça. C'est jamais drôle. Je me souviens, par exemple, d'un de mes oncles, là, un frère à mon père, j'avais même pas 5 ans. Je me souviens même pas, j'avais même pas 5 ans en fait. Voilà, qui m'emmenait souvent dans sa chambre et qui, voilà, qui avait des attouchements sur mon corps et essayait d'aller plus loin que ça. Je me souviens que je savais même pas ce qu'il faisait. Voilà, tout ce dont je me souviens, c'est que bah, j'aimais mon tonton. Voilà, j'aimais beaucoup mon tonton, mais je ne savais pas du tout ce qu'il faisait sur moi. C'est en grandissant et en ayant connu ce que c'est que su et connu ce que c'est qu'un rapport sexuel que je me suis rendu compte que, mais en fait, il abusait de moi. Et ça se passait régulièrement. Donc pour lui, c'est un jeu. Donc il m'appelait souvent comme ça pour dire, allez, on va jouer. Et il faisait ce qu'il avait à faire. Voilà, mais ça, c'est comme si en fait, il y avait vraiment quelque chose en moi qui faisait que à chaque fois que ça se passait, eh ben voilà, j'oubliais. En fait, quand je dis j'oubliais, je pense plutôt que c'est comme si mon âme enfouit ça, elle enfouit ça et je ne me souvenais plus de rien. C'est comme si on m'avait donné quelque chose qui faisait que j'oublie, mais ce qu'il avait fait en fait. Et c'est pas le seul, malheureusement, c'est pas le seul. Donc, lui, déjà, il le faisait constamment. Et ça, au vu et au su de. Voilà, personne n'était au courant.
En tout cas, à ma connaissance, personne n'était au courant parce qu'au moment où je vous parle, on n'en a jamais parlé. Donc aujourd'hui, j'ai 36 ans, mais personne dans ma famille n'a jamais évoqué ça, ce que je trouve quand même grave. Après, je me dis, en tout cas, personne n'était au courant. Voilà, ça, c'est avant mes 5 ans. Et puis, il y a eu, après mes 5 ans, d'autres personnes aussi, dans la maison et dans la famille, qui ont aussi... voilà, qui en tout cas qui ont abusé de moi sexuellement. Je pense par exemple à un gardien. Alors lui, c'était vraiment la fiesta. Mon corps, c'était la fiesta avec lui. Et chaque fois, donc, quand il venait au travail le soir, voilà, il m'appelait. Et moi, pour moi, en fait, c'est-à-dire, il m'appelait pour jouer. Et après, je me rends juste compte que ben, on joue avec mon corps. Donc, on soulève ta jupette et puis il sort son sexe et puis il fait ce qu'il a à faire en fait. Mais franchement, je ne savais pas du tout ce qu'il faisait. Et dès qu'il terminait, c'est comme s'il y avait un blanc. En fait, il y avait quelque chose, je ne sais pas comment expliquer cela, mais il y avait quelque chose qui faisait que ben, dès que cette personne-là faisait ce qu'il faisait sur mon corps, eh ben, il y avait un blanc en fait. J'oubliais. Donc j'oubliais. À vrai dire, beaucoup de ces souvenirs sont revenus seulement quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais j'avais complètement oublié. Alors je ne sais pas comment on appelle ce phénomène-là. Je pense que ça doit avoir un nom en psychologie parce que je ne trouve pas ça normal non plus. Mais systématiquement comme ça, je ne trouvais pas ça normal. Une fois, ok. Mais à chaque fois, quand même, je ne trouvais pas ça normal. Mais bon, moi, c'est ce que je vivais. Et c'était comme ça presque tous les jours puisqu'il travaillait presque 7 jours sur 7. Et ça se voyait tellement pas que quand, par exemple, il venait pour travailler, je me souviens ma mère qui me disait, hey, ben, ton pote, il est là. Parce que nous, on nous voyait, en guillemets, jouer. En fait, quand on me voyait avec lui ou quand on voyait que lui m'appelait, on disait, ah ben, elle s'entend bien avec le gardien et tout. Et puis, bon, t'as pas beaucoup d'amis peut-être à la maison. Donc, voilà, il y a le gardien qui est très sympa avec toi. Et en fait, personne ne se rendait compte. Mais des horreurs en fait qu'il faisait. Donc voilà comment j'ai grandi. Et puis en dehors du gardien, il y a encore une autre personne. Bah, lui, il venait souvent à la maison pour faire des travaux domestiques. Donc généralement la plomberie. Voilà, je pense que c'était ça, généralement la plomberie, c'était des choses comme ça. La plomberie ou l'électricité. C'était entre les deux, ou voire les deux en fait. Et lui aussi, ça a été très régulier. Donc lui, par exemple, je me souviens que ça a duré des années. Ouais, lui, ça a duré des années. Pour le gardien, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Mais lui, au moins, ça, je n'ai pas pu oublier, ça a duré des années. Donc chaque fois qu'il venait, dès qu'il n'y avait personne, eh ben, il m'appelait et puis il venait faire ses jeux. Voilà. En fait, ça a toujours, c'est comme si tous ces hommes-là, ils utilisaient toujours le mot jeu. Voilà, bon, aujourd'hui, moi, j'ai vraiment ça, c'était un esprit commun parce que ce n'était pas normal. Et donc, et puis il m'appelait, il enlevait ma robe et il faisait ce qu'il avait à faire. Donc ça, l'une des choses que je me disais souvent en fait, bah pourquoi moi? Parce que au départ, je voyais pas en fait ce qu'il faisait de mal. Déjà, je pouvais même pas poser de nom dessus. Je savais même pas comment on appelait ça. Tout ce que je savais, enfin tout ce qu'il me disait, il faut que tu te laisses faire, faut que tu te laisses faire. Et parfois aussi, je me souviens quand même de certaines expressions. Est-ce que ça te fait plaisir? Voilà, ce genre de choses. Je ne savais même pas ce que je leur répondais en fait, parce que je ne savais même pas ce qu'ils faisaient. Et après, quand il finissait de faire son affaire, je me remettais ma jupe ou ma robe et j'allais jouer. Et après, une fois de plus, un blanc. C'est-à-dire, j'oubliais. Et puis, en dehors de lui encore, et encore eu un autre oncle là. Un autre oncle. Alors, lui. Ce dont je me souviens, sa spécificité, c'était les films pornographiques. Donc, j'avais remarqué que quand, avec mes autres frères, nous jouons dans la cour, souvent on passait dans le salon quand peut-être on voulait aller dans la chambre. Donc, il y avait une séparation vitrée entre le salon et nos chambres. Donc, tu pouvais voir de l'autre côté, en fait, ce que quelqu'un voit à la télé. Donc, quand moi j'allais souvent du côté de la chambre, par curiosité, parce que bon, les enfants ils sont souvent très curieux, je me dis, mais qu'est-ce que mon oncle est en train de regarder concentré comme ça à la télé? Et bien là, je voyais des scènes pornographiques. Bon, aujourd'hui, je sais que ce sont des scènes pornographiques, mais j'étais enfant, je ne savais pas ce qu'il voyait. Je voyais juste des corps nus et des gens qui se tripotaient.
Et il mettait sa cassette et puis il y avait ces images-là. Et je me demandais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ces gens font? Pourquoi ils s'arrêtent comme ça? Et pourquoi il a l'air concentré comme ça? Par contre, j'avais remarqué que c'était à chaque fois qu'il finissait de voir en fait son film, après il m'appelait. Alors lui, il était moins. Bon, le mot n'est pas correct parce que franchement, vouloir être courtois pour abuser d'une enfant, c'est pas ça. Mais je vais utiliser juste le mot pour qu'on se comprenne. Mais lui, il était par rapport aux autres, les gardiens, les plombiers, l'autre oncle, on va dire moins courtois. Ou voilà, il parlait même pas. C'était toi, viens. Voilà, parce que lui, il était très très autoritaire. Tout le monde avait peur de lui. Toi, viens. Et puis, et c'était toujours moi. Voilà, il y avait ma petite sœur aussi, mais c'était toujours moi. Et puis, et bien, je venais comme ça, tout apeuré. Et puis, il chassait les autres frères. Il disait, qu'est-ce que vous faites là? Allez, sortez de là. Et puis aussi, il fuyait parce que tout le monde le fuyait. C'était une terreur. Et après, il fermait toutes les portes. Il fermait le salon. Couche-toi là. Et puis, ben, moi aussi, je me couche comme ça, comme un petit robot. Et il faisait son affaire. Et je devais rien dire. Si tu parles, si tu dis ce qui s'est passé ici, je vais te faire ceci, je fais cela. Donc, lui, sa particularité, c'était plus des menaces. Mais j'avais constaté que très souvent, c'était quand il finissait, en fait, de voir ces scènes de films pornographiques. Et par contre, comme avec les autres, dès que je sortais de là, le blanc. Le blanc. Donc, j'oubliais complètement. Il y avait comme quelque chose qui effaçait complètement de ma mémoire, en fait, ce qui se passait. Et voilà pourquoi aussi je n'en ai jamais parlé. Parce que c'est vrai que j'avais un côté casanier, mais en même temps, je n'étais pas aussi du genre à fermer ma bouche. Moi, dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je dénonçais. D'ailleurs, on ne m'aimait pas beaucoup aussi dans ma famille à cause de ça, parce que j'étais toujours en train de dénoncer l'injustice, etc. Mais par contre, en fait, ces abus sexuels-là, je n'en ai jamais parlé. Pas juste parce que j'avais peur, mais vraiment parce qu'il y avait un blanc. C'est comme si j'avais complètement oublié. Alors, et puis il y a eu un petit déclic. Alors, un petit déclic, c'est que j'avais à cette époque déjà presque 12 ans. Donc, tout ce que je raconte, c'était un peu avant mes 10 ans. Un peu avant mes 10 ans. Et à peu près à mes 12 ans, un jour, le fameux plombier ou électricien, il redébarque. Donc, ça faisait des années, on ne l'avait pas vu à la maison. Et puis, il redébarque. Et quand il est revenu, bizarrement, je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien, en fait. Et puis, je voyais qu'il me regardait d'une manière qui, voilà, qui ne me mettait pas à l'aise. Et là, bizarrement, je le fuyais. Donc, avant, je n'avais pas forcément cette attitude-là, mais à mes 12 ans, à mes 12 ans à peu près, je commençais vraiment à être pas mal à être mal à l'aise. Et là, des souvenirs sont revenus. Quand ces souvenirs-là sont revenus, là, j'ai commencé à me dire, mais en fait, qu'est-ce qu'il me faisait? Pourquoi il me voyait nue? Parce que là, je commençais déjà à prendre conscience de ce que ben, ce n'était pas normal que voilà, qu'on puisse me voir nue. Et je me disais, mais pourquoi il me voyait nu? Pourquoi il faisait ci? Pourquoi il faisait ça? Qu'est-ce qu'il me faisait, etc. Et un jour, il a une fois de plus profité qu'il n'y ait personne. Et là, il m'appelle. Et quand il m'a appelé, et là, j'ai répondu, mais virulemment, non, je ne veux pas venir. Et puis, il a commencé à pratiquement supplier. Et là, j'ai grondé. J'ai dit, je ne veux pas. Et j'ai fui. Et voilà comment, pour la première fois, en tout cas, je me suis vraiment, on va dire, rebellée contre, en tout cas, une personne qui a voulu, une fois de plus, abuser de moi. Par contre, j'avais remarqué qu'il y avait quand même pas mal d'hommes, en fait, qui, par exemple, dans la rue, me regardaient un peu étrangement. Alors, quand je dis d'hommes, c'était vraiment. Franchement, des personnes qui pouvaient être mon père, en fait, c'était des personnes qui pouvaient être mon père ou même mon grand-père, qui avaient souvent ces regards un peu étranges, comme ces oncles-là ou ce monsieur-là. Et voilà, une fois même, je me souviens, en rentrant de l'école, en prenant le taxi,
Lorsqu'il allait pratiquement me déposer à la maison, le taximan commence à prendre sa main, il met sur ma cuisse, il commence à retirer petit à petit voilà, ma jupe, je ne sais plus si c'était une jupe ou c'était une robe à l'époque, mais en tout cas à découvrir ma cuisse. Et là, j'ai frappé. En fait, je me disais, mais on dirait que beaucoup de personnes autour de moi ont un regard bizarre. Et pourtant, vraiment, je ne savais même pas ce que c'est qu'un rapport sexuel encore à l'époque. Je ne savais pas du tout. Mais je trouvais ça quand même très, très étrange. Bon, aujourd'hui, je comprends aussi que c'était spirituel, c'était vraiment un esprit qui animait ces personnes. Mais voilà, mon enfance a été jalonnée par énormément, d'innombrables abus sexuels qui, bizarrement, ont été comme blanchis, comme ôtés de ma mémoire. Et au-delà de ça, en dehors de ça, alors les rapports avec mes parents, ils étaient particuliers. Ils étaient particuliers parce que je les aime beaucoup. Jusqu'à présent, je les aime toujours beaucoup. Mais je les aimais vraiment beaucoup. Et mon père en particulier, j'étais vraiment très fusionnelle avec lui. J'étais vraiment très, 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 très fusionnelle avec mon père. Après, avec ma mère, que j'aimais beaucoup aussi, ce n'était pas la même chose. Donc, il n'y avait pas ce rapport aussi fusionnel avec mon père, mais par contre, je restais très, 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 très attachée à ma maman. Alors, je ne voyais pas sous un mauvais angle à l'époque, mais aujourd'hui, je comprends que ce n'était pas aussi sain que ça. En fait, le côté fusionnel dans la relation avec mon père, c'était finalement un peu un côté contrôleur. Donc, il était très contrôleur. Mais bon, moi, personnellement, moi, je prenais ça pour de la protection. Pour moi, mon père m'aime beaucoup, voilà, comme il faisait aussi avec les autres, mes autres frères. Mais en fait, c'était plutôt un esprit de contrôle, en fait. Et l'esprit de contrôle était tellement fort que on n'avait pas, en tout cas moi personnellement, je parle pour moi, hein, je parle pour moi, je ne sais pas comment est-ce que mes autres frères ils l'ont vécu, mais on n'avait pas, moi personnellement, j'ai l'impression que je n'avais même pas le droit d'avoir vraiment des amis. Voilà, on dirait qu'avec lui, tout le monde était mauvais, c'était de la suspicion à gauche, à droite, et voilà, il fallait toujours se méfier parce qu'il y avait toujours les méchants à gauche, à droite. Et même dans la famille, on n'avait même pas le droit de communiquer avec certaines personnes parce que oui, tel est méchant. Par exemple, je me souviens qu'il nous disait toujours, à moi en tout cas, il nous disait toujours, il faut pas parler avec le grand-père parce que le grand-père, il fait de la sorcellerie, tout ça. Bon, alors, sûrement que ça, c'était vrai, mais tout le monde, qu'il soit sorcier ou pas sorcier, tout le monde était méchant. Donc, puisque tout le monde est méchant, ben, qu'est-ce qui se passe? On ne reste qu'avec papa, maman, les frères. Voilà, c'était comme ça. Et il n'y avait pas une véritable vie sociale. Il n'y avait pas de véritable vie sociale. Je ne pouvais pas aller, par exemple, chez un de mes camarades ou un de mes amis passer la nuit. Ou même si je suis allée rendre visite parfois, même seulement au voisin, pourquoi tu es allée, etc. Donc, en fait, il n'y avait pas une véritable vie sociale. Et c'est allé jusqu'à Internet. Par exemple, moi, jusqu'à la vingtaine, je n'avais pas le droit d'aller sur Internet, d'aller surfer. Pourquoi? Parce qu'on kidnappe les gens sur Internet. Donc, c'est-à-dire, j'ai appris à utiliser un ordinateur à 24 ans. Juste pour vous dire. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit. Et quand certains autres de mes frères le faisaient, ben, ils le faisaient en cachette. Ils le faisaient en cachette. Mais comme moi, j'avais un côté, il faut absolument respecter ses parents. Bon, je ne lisais pas vraiment la Bible. J'étais un peu religieuse, mais je ne lisais pas la Bible tant que ça. Par contre, il y avait quand même ce verset-là, moi, que je connaissais. Voilà, honore ton père et ta mère, voilà, afin que tes jours se prolongent. Donc, je l'avais vraiment pris très au sérieux. Et je me disais que, de toute manière, quel que soit ce que tes parents te disent, ton père, ta mère te disent, il faut que tu obéisses. Voilà, parce que tu dois l'honorer. Donc, j'ai du coup grandi dans cette atmosphère de peur-là. Oui, peur, peur des autres, peur des relations sociales. Voilà,
Peur même du mariage aussi, parce que je me souviens que même quand des personnes plaisantaient avec moi comme ça, quand j'étais encore enfant, oh, celui-ci, il a l'air de bien t'aimer, il va être ton mari, je me mettais dans une colère noire. Comme s'il y avait quelque chose qui, lorsque ça parlait de mari, je le rejetais en fait. Je le rejetais. Mais bon, aujourd'hui, je sais pourquoi, je le dirai dans la suite de mon témoignage. Alors, dans la suite de mon témoignage, toujours dans mon enfance, hein, je me souviens aussi de pratiques animistes. Alors, j'ai commencé à parler un tout petit peu de mon côté religieux quand j'étais enfant, mais parce que j'ai baigné dedans. Voilà, un enfant qui baigne dans la religion, il va, voilà, il va reproduire ça. Donc, j'ai baigné dans la religion. Alors, côté religieux, je dirais que j'ai plus baigné dans un melting pot religieux. Pourquoi? Parce que le village d'où je viens, le village d'où je viens, du Cameroun, hein, je viens du Cameroun, le village d'où je viens, il est, en tout cas, la population pour une grande partie, elle est musulmane. Elle est musulmane. Et je me souviens de ces imams qui côtoyait mon père et qui de ces musulmans qui venaient souvent à la fête aussi du Ramadan. On invitait mon père à aller casser le Ramadan. Donc, enfin, j'ai aucun problème en tout cas avec les musulmans de ce côté-là parce qu'on les côtoyait constamment. Ils venaient à la maison, on allait aussi vers eux. Donc, mais c'était généralement le Ramadan. J'ai constaté qu'on avait plus de rapport avec les musulmans, en tout cas quand il y avait Ramadan. En tout cas, moi, je les voyais surtout quand il y avait le Ramadan. Mais aussi, c'est parce qu'il y avait pas mal d'invitations aussi que mon père recevait parce que, bon, de par ses fonctions, il avait quand même un certain statut social important, en tout cas dans le contexte à l'époque. Et il y a ce côté donc de l'islam, il y avait le côté catholique, voilà, parce que ma grand-mère étant catholique et ayant surtout élevé mon père et ses autres frères, donc mes oncles, donc elle les a beaucoup influencés de ce côté-là, et c'est ça qui nous a surtout influencés. Donc moi, j'ai baigné dans la religion catholique. Je me souviens de ma tante qui m'apprenait à réciter Notre Père et Je vous salue Marie. Je me souviens encore de ça. Je me souviens du catéchisme qu'on faisait pas à l'église ou dans un autre lieu, mais à la maison. Donc en fait, comme déjà, rien que ça, en y pensant, pour ma part, hein, aujourd'hui, je vois qu'il y avait un côté de contrôle très fort que même les cours, il ne fallait pas qu'on les fasse en dehors de la maison. Donc, du coup, les prêtres ou alors ceux qui se formaient pour être prêtres, hein, les séminaristes, voilà, les séminaristes, ils venaient à la maison et c'était à la maison qu'ils venaient nous donner cours. Ben, nous, on n'allait pas avec les autres enfants qui faisaient la catéchèse, mais il fallait que les séminaristes viennent à la maison pour nous donner des cours. Donc j'ai pris ma première communion, on a fait les cours et puis on a pris la première communion, on était baptisés enfants, en tout cas moi j'ai été baptisée enfant. Bon, après, on n'est pas allé jusqu'à la confirmation, mais voilà, j'étais très, 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 très attachée à la religion catholique. J'appelais ma religion. J'aimais beaucoup prier Marie, voilà, parce que pour moi, c'était la mère de Dieu, comme on me l'avait appris. Et puis, il y avait un tout petit côté, mais vraiment un peu plus fébrile, il y avait le petit côté témoin de Jéhovah, parce que du côté de ma mère, parce que quand je parle du catholique, en fait, c'était d'abord du côté de mon père, mais du côté de ma mère, ils étaient dans leur famille, en fait, à la base, témoins de Jéhovah, et puis ils ont changé. Ils ont changé plus tard et puis ils sont devenus catholiques. Donc, ce qui veut dire que ben, les témoins du Jéhovah, on n'avait pas. Bon, ce n'était pas quelque chose moi qui m'effrayait en fait. Donc, certaines personnes, dès que peut-être le témoin du Jéhovah vient frapper à la porte, ah, une fille! Mais bon, nous en particulier, voilà, ils venaient et puis déposaient leur livre là, on lisait. Pourquoi? Parce que ben, on avait quand même été familier avec. Voilà, même si c'était sans adhérer à cette vision. Et puis, il y avait un autre côté très, très, très fort qui était le côté animiste. Donc, c'était même, je dirais, la
principale religion de mon père parce que c'était surtout un catholique de nom. Voilà, parce que bon, il n'était pas trop, t'es pas pratiquant. Mais par contre, il était très pratiquant animiste. Donc, c'est-à-dire que pour lui, la communication avec les ancêtres, c'était vraiment quelque chose de très important. Donc, il croyait que ton arrière-grand-père n'est pas mort et qu'il est devenu un esprit avec lequel tu peux communiquer et qui surtout peut t'aider. Voilà. Et il a donc fait tout pour nous initier dedans. Alors, quand je parle de nous, je parle de moi et je parle de mes autres frères aussi. Mais bon, le témoignage, en fait, c'est mon témoignage, donc je vais vraiment le centrer sur moi. Donc, il a vraiment essayé et il a tout mis en œuvre pour que je puisse devenir aussi animiste. Alors, du coup, si je veux résumer, donc vous aviez un peu l'esprit d'islam, l'esprit catholique, l'esprit témoin de Jéhovah, l'esprit animiste. Voilà, c'était un peu tout mélangé. Ce qui fait que personnellement, je n'étais pas dérangée par cette sensibilité spirituelle, mais j'étais plus étrangère aux sensibilités dites protestante, dite protestante. Je préfère dire dite protestante parce que aujourd'hui, je sais qu'aux yeux de Dieu, franchement, tout ça, c'est pas important. Donc, j'étais éloignée de ça, mais tout simplement parce que ben, je n'avais pas dans mon entourage de personnes dites protestantes ou qui voilà, m'avaient communiqué sa part de vision de Dieu. Et je vais insister sur le côté animiste parce que voilà, il y a eu une influence vraiment extrêmement forte. Je me souviens que à un moment donné, j'avais pas plus ou moins 10 ans, plus ou moins 10 ans. J'entendais souvent mon père dire, nous dire à moi et à mes frères, il faut maintenant que vous soyez initiés. Il faut maintenant que vous soyez initiés. Et à un moment donné, il commençait à dire ça tout le temps. Et je me disais toujours, mais initié à quoi? Initié à quoi? Et des initiations, en fait, c'était quoi? Eh bien, c'était la communication avec les ancêtres. Alors, je répète, moi, je ne connaissais pas vraiment le Seigneur Jésus-Christ à l'époque. Cependant, quand vous êtes enfant, vous pouvez quand même ressentir des choses bizarres. Enfin, moi, je dis les enfants, en tout cas, ils ressentent des choses bizarres. Et moi, je trouvais ça très, très bizarre. Je me disais, ben, si il y a un Dieu qui existe, est-ce que c'est normal, en fait, de faire ça? Pourquoi, en fait, parler à quelqu'un qui est mort? Et laisser Dieu de côté. Moi, je trouvais ça un peu bizarre, en fait. Je me suis dit, ben, est-ce que Dieu, il n'est pas suffisamment puissant? Moi, j'ai quand même appris que Dieu est puissant. S'il a créé tout ce qu'il a créé, il est puissant. Mais pourquoi, en fait, il faut encore parler avec cela, avec ces morts-là? Et une fois de plus, il y avait un petit truc qui me disait, tais-toi, honore ton père et ta mère. Bon, moi aussi, je me taisais et j'obéissais. Et puis, les pratiques animistes ont commencé. En tout cas, moi, à mon sens, aller un tout petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Maintenant, il fallait passer par quelqu'un qui s'y connaît un peu plus et qui, techniquement, il n'était qu'un marabout. Donc, du coup, il y avait une personne de la famille, mais éloignée, apparemment, donc, qui un jour aurait dit à mon père que des gens lui veulent du mal et tout ça, et qu'il a besoin de protection. Donc, il venait constamment à la maison pour faire des pratiques qui étaient censées nous protéger. Et alors, je vais juste, je peux pas tout dire là aujourd'hui, sinon on va mettre une éternité, mais je vais peut-être exposer certaines de pratiques dont je me souviens qui étaient impressionnantes, en tout cas, a priori, c'était impressionnant. Ben, une fois, par exemple, pour faire une soi-disant délivrance, il avait pris des je voyais qu'il prenait des bougies, il prenait des œufs aussi. Et puis il mettait là autour au sol comme ça. Et bizarrement, avant de faire ces choses-là, il récitait d'abord le Notre Père qui est aux cieux. Donc, comme moi, il y avait un côté qui me disait, ces choses-là ne sont pas normales. Mais dès que je l'entendais dire Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, il disait d'abord, nous allons d'abord prier. Avant d'avoir prié Dieu. Et puis, commence à dire Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et puis, à côté de mon, une petite voix qui dit, ah, tu vois? Donc, Dieu est quand même dedans. Attendant ton âme d'enfant, tu te dis, ah bon, d'accord, ok, Dieu est quand même dedans. Et puis, dès qu'il finit de faire ça, boum, maintenant Dieu est squeezé, on commence à faire des choses bizarres. Et une fois, je l'ai vu devant moi pratiquement se transformer en tourbillon. Mais vraiment, les tourbillons qu'on voit souvent à la télé là, ou bon, moi personnellement, je n'ai pas encore vu un tourbillon avec mes yeux naturels. Dieu merci. Mais on les voit quand même à la télé et tout.
Et il s'est pratiquement transformé en tourbillon. Bon, ça, c'est ce que moi, j'ai eu l'occasion de voir, mais j'entendais aussi dire par exemple, ma mère, un jour, qu'il avait guéri d'un problème au pied, des choses comme ça. Bref, il faisait des choses qui étaient extraordinaires et on avait l'impression qu'on voyait certains résultats. Alors, chaque fois qu'il venait faire ces pratiques-là, en fait, je voyais mon père qui était, surtout quand il y avait des résultats, qui était davantage convaincu en disant, Ah, tu vois, c'est pour ça qu'il faut invoquer les ancêtres, c'est puissant les ancêtres. Dès qu'il disait ça, j'avais une autre petite voix dans mon cœur qui me disait, Si les hommes sont capables de faire ça, c'est qu'il y a un Dieu qui est plus puissant que ça. Et ça devenait systématique. S'il y a des hommes qui sont capables de faire des choses surnaturelles comme ça signifie que Dieu est plus puissant. Un Dieu que pourtant je ne connaissais pas intimement, mais je pense qu'il commençait quand même déjà à poser ses petites graines dans mon cœur. Et puis, au fur et à mesure qu'on a évolué, un jour, non, avant l'évolution, un jour, je me souviens que mon père a décidé de faire un voyage, soi-disant pour aller délivrer un de mes petits frères qui aurait été envoûté. Donc pour ça, il fallait qu'il aille au village. On lui a dit, il faut que tu viennes au village, bien sûr, avec des cadeaux, ce genre de choses, etc. Et on m'a embarqué dedans. J'avais 8 ans à l'époque, à peu près. Alors, ce que j'ai trouvé étrange, c'est que je me suis dit, mais si la délivrance concerne mon petit frère, pourquoi moi, on m'embarque en fait dans la chose? Mais la petite voix qui te dit encore, tais-toi, honore ton père et ta mère. Bon, quand je dis petite voix, il y avait deux petites voix. Il y avait une petite voix de Dieu aujourd'hui, je peux dire, mais il y avait la voix d'un autre. Et donc, tais-toi, alors ton père, ta mère, tu obéis. Bon, de toute façon, qu'est-ce que tu voulais faire à 8 ans? Ton père te dit, lève-toi, on va en voyage, tu ne sais pas où tu vas. Et sur la route du voyage, nous avons fait un accident grave. Nous sommes tombés dans un ravin. La voiture s'est écrabouillée. On était à peu près, on n'était pas moins de 5 dans la voiture. La voiture s'est écrabouillée, mais personne n'est décédé. Nous sommes sortis. Alors, cette scène, franchement, c'est une scène, j'en parle aujourd'hui, mais je pense que c'est seulement que Dieu m'a guéri. Mais c'était traumatisant. C'était traumatisant parce que je ne comprends pas comment on a fait pour ne pas mourir. Dieu merci, personne n'est mort. Il y a eu des pertes matérielles parce que la voiture était chargée, parce qu'on venait avec beaucoup de cadeaux pour les gens du village. Et il y avait aussi, je me souviens, à l'époque, bon, ça m'a un peu amusée, j'entendais un cri, bé, bé, bé. Je me suis dit, mais qui est en train de crier? On a eu peur que peut-être que quelqu'un soit mort. Quand on est regardé, on s'est rendu compte que c'est la chèvre qu'on avait apportée. C'est la chèvre qui criait. Donc, en fait, personne n'était mort. Il y avait que la chèvre qui était mal en point, mais même la chèvre n'est pas morte. Mais être tombée de haut, tombée d'un ravin complètement, ça m'a énormément traumatisée et ça m'a un peu effrayée. Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas par hasard un signe dans mon âme d'enfant? Est-ce que ce n'est pas par hasard un signe de ce que ce voyage n'est pas bon? Voilà, des petites réflexions comme ça. Et après quelque temps, mon père, il est parti en brousse et puis il revient et puis il dit, Ah, tu vois, ce sont les ancêtres qui nous ont protégés. Et bon, moi je trouvais ça un peu bizarre, les ancêtres. Chaque fois qu'il y avait une protection, parce que lui, constamment, il faisait des accidents de circulation. Chaque fois qu'il y avait un accident, il disait que c'était les ancêtres. Dès qu'on avait une protection de quelque chose, il donnait la gloire aux ancêtres. Et moi, dans mon cas, je me disais, mais et Dieu dans tout ça? Et Dieu dans tout ça? Et Dieu dans tout ça? D'ailleurs, je me posais la question de savoir comment quelqu'un qui ne me connaît pas peut me protéger, parce que je me dis, bon, mon arrière-grand-père, il ne me connaît pas. Moi, je ne le connais pas sur la base de quoi il va me protéger. Mon grand-père, il est déjà décédé. Pourquoi est-ce qu'il attendrait être mort pour me protéger? C'est des petites questions, mine de rien, même si je discutais pas au début, en fait, qui m'intriguaient. Je me disais, mais pourquoi est-ce que mon grand-père, qui est déjà parti, il attend de mourir, en fait, pour pouvoir me protéger, alors que quand il était vivant, il faisait pas ça. Bon, sans vouloir faire un mauvais témoignage, mon grand-père n'a pas eu une vie, on va dire, saine. Il n'a pas eu une vie saine. Et je me disais, ben, quelqu'un qui a vécu une vie comme ça, s'il y a un enfer et un paradis qui existent, j'ai beaucoup de mal à le voir le paradis dans ces conditions. Et je me disais, mais comment en fait, c'est seulement quand il meurt qu'il deviendra finalement le protecteur de la famille qu'il n'a pas finalement été quand il était sur Terre. Donc je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, il fallait croire parce que c'est ce que ton papa te dit.
Et puis, donc, nous sommes allés, enfin, après, je ne sais plus par quel moyen on est parti. Je pense qu'on a dû faire de l'autostop. Et puis, nous sommes allés dans ce village-là pour faire, soi-disant, la délivrance à mon petit frère. Et je me souviens d'une scène. Une scène que j'avais aussi, enfin, on va dire que j'avais aussi complètement oublié. Mais aujourd'hui, j'en parle parce que le Saint-Esprit me l'a rappelé. Et il m'a fait comprendre que c'est une scène très importante qui était capitale en fait pour ma vie. Bon, importante dans le mauvais sens du terme, mais il est important quand même que je mette la lumière dessus, qu'il fasse la lumière dessus. Donc, ce dont je me souviens, c'est qu'un soir, pendant nos jours au village, je voyais des gens autour d'un grand feu. Et c'était ça être c'était ça en fait la pratique de délivrance, soi-disant. Donc, je voyais des gens autour d'un grand feu. Je voyais des gens qui dansaient. Ils dansaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à un moment donné, en fait, ils sont entrés en transe carrément. C'était plus une danse. Enfin, je ne trouvais pas cette danse normale. À un moment, en fait, on dirait qu'ils sont entrés en transe. Et puis, j'observais ça. J'avais peur. J'étais à côté de mon père, là. Et j'étais comme ça, apeurée. Et puis, à un moment donné, le maître de cérémonie, hein, je vais l'appeler comme ça. Le maître de cérémonie qui était habillé en peau de bête, il est venu vers moi et il m'a porté comme ça. Il m'a porté comme un porte, voilà, comme un porte un livre. Et puis, il a tourné avec moi sur lui-même pendant longtemps, a donné des vertiges. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que mon père ne vient pas me défendre? Mais qu'est-ce qu'il fait? Et puis, mais j'étais restée bouche bée parce que j'avais peur. Et puis, en tournant, il est allé en brousse. Donc, j'étais loin, en fait, en fait, des gens du village. On était très nombreux autour du feu. Et puis, on est entré avec ce monsieur dans la brousse. C'était noir. Tout ce dont je me souviens, c'est du noir. Je sais que nous étions en brousse, dans une forêt vierge. Et c'était du noir. Je voyais que du noir, que du noir, que du noir, même pas le clair de lune. Et je me souviens de son odeur puante. En fait, il puait, on dirait la chèvre ou le bouc, mais ça, il sentait pas bon. Et j'étais tellement apeurée que j'étais devenue comme un bâton. Donc, pour moi, je me suis dit, ne bouge pas, ne bouge pas. Et puis, à un moment donné, il s'est arrêté de tourner. Et puis, il a commencé à proclamer des choses sur moi que je ne comprenais pas parce qu'il parlait, peut-être c'était le dialecte du village, mais je ne comprenais pas moi le dialecte, en fait. Et puis, il faisait des trucs, boum, 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 mais en fait, il faisait des incantations. Voilà, il proclamait des choses sur moi. Je sentais même ces crachats qui venaient sur moi. Et il a fait des choses sur moi. Je ne sais pas quoi, mais il a fait des choses. Et puis, il est revenu. Toujours en me balançant comme ça dans ses bras, il est revenu donc vers les villageois. Et j'ai l'impression en fait que ben, les gens, c'était normal parce que voilà, tout le monde était normal. Mon père aussi compris, il trouvait que c'était normal. Et ensuite, je me souviens que, je ne sais pas si c'était seulement cette nuit-là, je ne pense pas que c'était seulement cette nuit-là. Mais pendant, l'autre chose que j'ai un peu trouvé un tout petit peu bizarre, parce que c'était la toute première fois de ma vie. J'avais pas l'habitude quand j'étais à la maison ou même dans d'autres circonstances, mais alors qu'il y avait d'autres membres de la famille et y compris des femmes, parce que je pense que ma grand-mère était là aussi, mais j'ai pas dormi avec ma grand-mère. Pourtant, je dormais souvent avec elle quand j'allais aussi dans son village à elle, mais en fait, j'avais dormi avec mon père. Voilà, ça c'était une chose que j'avais trouvé un tout petit peu bizarre. Parce que, alors qu'il y avait beaucoup de femmes autour de nous, mais j'avais dormi avec mon père pendant tous ces jours-là et je ne me souviens de rien aussi. Donc, c'est-à-dire, je me souviens juste de la pièce qui faisait office de chambre, donc une pièce lugubre, en plus, c'était vraiment lugubre, qui faisait office de chambre. Et puis, il fallait dormir là, avec mon père. Donc, moi, je me souviens juste que je m'endormais. Et puis, plus rien. Même ce souvenir-là, je l'avais aussi squeezé. Enfin, pas, j'ai pas fait exprès, hein, mais j'avais complètement oublié. Et c'est quand j'ai donné ma vie à Christ, en fait, que ça m'est revenu. Alors,
Pourquoi je raconte cette histoire parce que cet épisode-là, parce que je me souviens d'une chose, c'est que quand nous sommes revenus du village, je sentais que quelque chose avait changé en moi. En fait, je me sentais, j'avais 8 ans, j'avais que 8 ans. Mais c'est à partir de ce moment-là que je suis devenue vraiment fusionnelle avec mon père. En fait, c'est à partir de ce moment-là que je sais que je suis devenue très, 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 très fusionnelle avec mon père. Je me souviens que, parce qu'on ne se le disait pas, hein, on ne t'aime, on n'aime pas, je ne viens pas d'une famille où on s'est dit je t'aime facilement. Donc, je ne le disais jamais à mon père ne le disait jamais, mon frère ne le disait jamais, je ne le disais jamais à mes frères, ma mère non plus. Mais pour la première fois, juste au retour de cet épisode-là, j'ai dit pour la première fois à mon père que je l'aimais. Je lui ai fait un bisou et je lui ai dit que je l'aimais. Et je voyais qu'il était très content. Et maintenant, quand les choses me reviennent à l'esprit, on dirait en fait qu'il savait ce qui se passait parce que moi, quand je lui disais, il y avait quelque chose en moi, ce n'était pas moi. En fait, il y avait une force qui me poussait en fait à lui parler. Il y avait une force qui me poussait à lui dire je t'aime et à lui faire un bisou en fait sur la joue. Et pourtant, quand moi je voyais dans son regard, c'est comme si lui il savait en fait, mais moi je ne savais même pas. Autre chose aussi, c'est que je me sentais femme. Pourtant, j'étais enfant. Il y avait un truc en moi qui me disait tu es une femme, tu es une grande femme en fait. Voilà. Et donc, finalement, je n'ai pas vraiment vécu. Cette enfance de petite fille là, vous savez, il y a des périodes où tu te sens petite fille, t'as pas forcément envie de te maquiller, des choses, mais c'est comme si les choses se sont accélérées. J'avais très vite envie d'avoir de longs ongles. Je me souviens que mes jeux avaient changé. J'allais souvent dans le jardin et je prenais des feuilles et je mettais sur mes ongles parce qu'il fallait absolument que j'aie de longs ongles. Et puis, il y a aussi des choses bizarres qui ont commencé à se manifester et je savais même pas ce qui m'animait. Je commençais à avoir des pensées très, 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 très impures. Des pensées très très impures qui m'oppressaient et j'insiste, pourtant je ne savais même pas ce que c'est qu'un rapport sexuel à l'époque. Et j'avais des pensées très très impures, mon corps ne m'obéissait plus, des pratiques de masturbation et pourtant je ne savais même pas, j'insiste, je ne savais même pas ce que c'est qu'un rapport sexuel. Donc ça là, ça a changé juste après l'épisode du village et puis bah, j'ai grandi comme ça. J'ai grandi comme ça. Je me suis dit, bon, c'est rêve, parce que quand je parle, il y a des pensées, mais il y avait aussi des rêves où je voyais des gens qui venaient abuser de moi. Des gens qui venaient abuser de moi. Mais ça s'est vraiment, on va dire, manifesté plus après l'épisode de la scène au village. Donc, je voyais plusieurs personnes qui venaient. Et puis, j'avais pas moyen de m'en sortir. Donc, jusqu'à mes à peu près, on va dire presque 18 ans, j'ai évolué comme ça et je priais quand même pour que ben, Dieu m'aide à sortir de là et que Dieu aide ma famille parce que en temps, il y avait quand même beaucoup de tensions aussi familiales et j'ai grandi dans cela. J'ai grandi dans cela, les tensions entre frères et sœurs, les tensions entre papa et maman où il n'y avait pas d'amour. Voilà, j'ai baigné dedans et ces pensées impures et ces pratiques impures aussi que dont j'étais de plus en plus consciente et pour lesquelles je n'avais même pas la force en fait de lutter, et bien j'ai commencé donc à prier Dieu pour ça, tant bien que mal. Alors, je disais que j'ai grandi comme ça jusqu'à à peu près mes 18 ans. Et à un moment donné, est venu en moi vraiment le besoin de m'émanciper de tout ça. J'en voulais un tout petit peu à Dieu sans me l'avouer parce que je me suis dit, ben, je prie un Dieu qui ne répond pas, même si je voyais quand même des manifestations de Dieu. Hein, malgré tout, quand je priais par exemple pour la protection, voilà, je voyais des choses. Quand je priais pour être justifiée, quand peut-être quelqu'un m'accuse injustement, je voyais vraiment des choses particulière qui se passait et je disais non, je sais qu'il y a quand même un Dieu qui existe. Mais le besoin de s'émanciper en fait de ce carcan familial lugubre a commencé à grandir en moi de plus en plus fort. Et là, je me suis dit que ah, peut-être que ça va passer ou je vais le traverser si enfin moi-même je me marie.
Voilà, comme ça, je vais sortir du cocon familial et puis je vais pouvoir fonder ma famille à moi. Et puis voilà, on va oublier tout ça. Et je commence donc à prier, donc dès très petite, même déjà, je commence à prier. Je disais, oui, Dieu, il faut que tu me donnes un bon mari. Dieu, il faut que tu me donnes un bon mari. Dieu, il faut que tu me donnes un bon mari. Et je disais toujours à Dieu que, ben, Dieu, moi, j'ai envie de garder ma virginité jusqu'au mariage parce que je sens que c'est trop important. Et je te prie que vraiment, la personne que je vais connaître comme mon mari, ben, que ce soit la seule personne à qui je vais donner mon corps. Voilà, parce que moi, je n'ai pas envie d'aller à gauche, à droite. Non, 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 non. Je pense que c'est trop précieux. Donc, je voudrais vraiment que. Je veux pas. Voilà, je veux pas de seconde chance. Je veux pas de nouvelle personne. Une seule personne. Et puis, c'est bon. Et j'étais déterminée avec ça. J'étais déterminée avec ça. Et puis, donc, quand j'avais à peu près 18 ans, j'ai rencontré un jeune homme. Et moi, personnellement, j'étais très, très dure avec les garçons. J'étais très, très dure avec les garçons. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire mon sorte de petit pacte avec moi-même. C'est que fallait pas que je loupe le coche. Fallait pas que je loupe le coche. Et aussi, bah, en même temps, il y avait aussi beaucoup de blagueurs. Donc, et moi, j'étais très sérieuse. Moi, je ne voulais pas des aventures. Mais moi, je voulais vraiment le mariage, donc une relation sérieuse qui va aboutir au mariage. Et ça, ce genre de personne, ça ne courait pas les rues. Même si j'avais quand même constaté que j'attirais pas mal de personnes qui voulaient vraiment être sérieuses. Seulement, j'avais fait un constat. C'est que quand je voyais qu'il y avait quelqu'un qui venait vers moi, j'allais prier d'abord. Et je disais, Dieu, est-ce que c'est lui? Si c'est lui, confirme-moi. Si ce n'est pas lui, fais un truc bizarre quand on se sépare. Et à chaque fois, il y a toujours eu un truc bizarre pour que je me sépare avec la personne. L'une des choses, par exemple, dont je me souviens qui m'avait énormément choquée, c'est que, bien avant de rencontrer la personne dont je voulais parler, il y avait un garçon, un jeune homme dont j'étais tombée amoureuse. C'était la première fois pour moi que je sentais que j'étais tombée amoureuse. Mais j'avais à l'époque, j'étais adolescente, donc j'avais à l'époque peut-être 14 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, je sentais que de plus en plus, vraiment, mes sentiments devenaient forts. Et ça a un peu commencé à m'effrayer. Et après, j'ai prié. Je lui ai dit, Dieu, si c'est vraiment lui qui va être l'homme de ma vie, voilà, fais que ça marche. Mais si c'est pas lui, mais fais un truc quand ce n'est pas parce que moi, là, je ne veux pas le quitter. Je ne veux plus le quitter, en fait. Je vois qu'il me plaît, je lui plais, et je n'ai pas envie de le quitter. Et puis, un jour, après avoir pourtant passé 10 ans dans le même quartier, un jour, peu après la prière, il y a mon père qui vient nous annoncer, nous allons déménager, nous allons quitter le quartier. En passant, ce jeune homme, c'est un de mes voisins. Donc, il vient dire, nous allons déménager. Et là, je me suis dit, mais purée, mais si on déménage, je ne vais plus le voir et tout ça. Et pour moi, ça a été en tout cas un signe de Dieu. Et Dieu m'a vraiment éloignée de lui. Et à partir de ce moment, je me suis dit, bah, écoute, t'empresse pas, vis ta vie, fais tes études. Et puis, le moment venu, bah, tu vas te marier normal. Et puis, donc j'ai grandi comme ça jusqu'à mes 18 ans. Et à mes 18 ans, j'ai rencontré une personne qui, en tout cas, vraiment, je vais dire, était sérieuse aussi parce que ce n'était pas vraiment une aventure qu'elle voulait. Et j'avais prié aussi. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est lui? Alors, j'avais fait un songe après la prière. Et dans ce songe-là, en fait, je voyais qu'on se mariait avec la personne. Bon, moi, je l'avais pris pour un songe de Dieu. Je l'avais pris pour un songe de Dieu et voilà comment j'ai accepté de mettre avec cette personne. Et en apparence, tout se passait bien. Tout se passait bien parce qu'on a quand même mis ensemble, on a quand même fait 6 ensemble. Et puis, sauf que, je n'avais pas la paix. Donc, j'avais enfin quelqu'un avec qui il y avait un projet de mariage. Je me donnais juste le temps de terminer mes études, donc parce que j'étais en fac. Et c'était une personne pieuse, c'était une personne vraiment pieuse, qui m'a beaucoup appris d'ailleurs par rapport à la religion. Par exemple, au travers de cette personne, j'avais vraiment décidé de me dissocier des invocations à Marie parce que, en plus, il y a eu des manifestations très, très étranges dans ma maison, voilà, dans ma chambre avec Marie. Par exemple, la photo de Marie qui bougeait et qui avait effrayé un de mes frères. Moi, je trouvais ça démoniaque. Je me suis dit, ça, c'est pas normal. Donc, ça confortait en moi, en fait, le fait que, franchement, prier Marie, déjà que ce n'était pas biblique, je me suis rendu compte que ce n'était même pas biblique,
Mais ce n'était pas vraiment si simple. Donc, j'ai arrêté, mais je me disais, j'arrête, mais pour rien au monde, je ne vais quitter la religion catholique. Voilà. D'ailleurs, si je quitte ça, je vais aller où? Parce qu'en plus, à l'époque, il y avait tellement d'églises bizarres qui pullulaient. Donc, moi, je me suis dit, si je quitte catholique, c'est pour aller où en fait? Moi, j'ai pas envie de me retrouver dans une église bizarre. Non, non, non. Et je me suis juste dit, tout ce qui n'est pas biblique et que je fais dans ma religion catholique, je vais arrêter, même si on apprend ça, mais je vais rester quand même là-dedans. Et donc, j'ai évolué comme ça. Donc pendant 6 ans avec cette personne et pendant ces 6 années-là, vers la fin, vers la cinquième, sixième année, il y a eu dans ma famille donc de plus en plus de tensions familiales, de tensions entre mon père et ma mère. Ça allait à la violence physique. Il y avait déjà beaucoup de violence verbale, mais il y avait ça commençait à aller un peu plus à la violence physique. Ça faisait trop en fait. Avec un de mes frères en particulier, je trouvais on était toujours en conflit. Je comprenais pas et je priais pourtant pour la paix. Et un jour, j'ai décidé de rentrer sérieusement dans la prière. Bon, déjà, quand j'avais du mal à rentrer aussi sérieusement dans la prière parce que j'étais toujours dans la culpabilité. J'avais dit à Dieu qu'il me préserve en fait. Qui m'aide à garder ma virginité jusqu'au mariage, ce que je n'ai pas pu faire. Mais je me suis consolée avec le fait que, bon, de toute manière, je vais me marier avec cette personne, donc ça va, c'est comme si le péché est effacé. Et pourtant, ça avait même davantage créé pour moi un fossé entre Dieu et moi. Bon, j'étais même déjà séparée de Dieu puisque je n'avais pas encore connu Christ, mais j'ai l'impression comme si je m'étais même éloignée de Dieu en fait quand j'avais livré mon corps comme ça parce que. Je me souviens que le jour où j'avais perdu ma virginité, le lendemain, j'étais à l'école et puis j'ai senti comme si quelqu'un déposait un manteau noir. Mais c'était vraiment ce que je voyais. J'ai senti quelqu'un qui a déposé un manteau noir sur moi et c'est devenu glacial. J'ai commencé à avoir froid et je savais que c'était par rapport à ce qui s'était passé la veille. Et la culpabilité donc a commencé à m'assaillir. Et puis, j'ai commencé à demander pardon. J'ai demandé pardon pendant des années. Mais je ne me sentais pas forcément délivrée de la culpabilité. Après, je me suis dit, bon, comme mes études semblent quand même bien marcher, peut-être que ce n'était pas si grave. De toute façon, on va se marier, on est sérieux et tout ça. Donc, j'ai oublié. Et quand donc, il y a cette tension familiale-là, à ce moment-là, j'ai décidé de rentrer sérieusement dans la prière. Et j'avais fait un jeûne. Et j'ai dit à Dieu, je vais me mettre en jeûne. Pendant plusieurs jours, de 6h à 18h, et je vais te demander une chose, Dieu. S'il te plaît, dis-moi d'où viennent les problèmes de ma famille, parce que ça fait des années que je prie pour ça. Et j'ai l'impression en fait que tu ne m'entends pas. C'est vrai, il y a certaines manifestations de ta présence que je vois, mais pourquoi est-ce qu'il y a des tensions familiales et j'en souffre en fait? J'en souffre parce que tous les jours, papa vient se plaindre de maman dans mes oreilles. Maman vient se plaindre de papa dans mes oreilles. C'est comme si moi qui suis l'enfant, je suis devenu le juge de mes parents. Moi, je n'ai pas envie d'endosser ce rôle. Maintenant, quand je veux me taire, l'un dit oui, tu prends sa défense, des choses comme ça. Mais je ne comprends pas en fait. Et sans compter que quand je commençais à prier un tout petit peu plus, ou à chercher Dieu un tout petit peu plus, je faisais souvent des cauchemars où je voyais un serpent qui me poursuivait. Et comme si quelque chose était dérangé par le fait que je commence à chercher la vérité. Donc, un jour, je me suis mise, un moment, j'ai décidé de me mettre en jeûne. Et je priais. Et je priais. Et pendant ce temps de jeûne, j'ai vu dans un de mes songes mon père qui était en train de parler à un serpent. Et le serpent était en train de brûler sur une braise. Le serpent était en train de dire à mon père, m'abandonne pas, m'abandonne pas. Et je voyais mon père qui lui répondait, mais c'était par télépathie, hein, mais sauf que dans le rêve, il m'était permis de comprendre leur conversation. Il lui dit, t'inquiète pas, je ne vais pas t'abandonner, t'inquiète pas, je ne vais pas t'abandonner. Quand je me suis réveillée, pour moi, Dieu me répondait. Parce que je lui dis, d'où viennent les problèmes? Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, je crois que les pratiques animistes que papa fait, c'est de la sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie et c'est de là que ça vient. Et du coup, un jour, donc, quand mon père est une fois de plus venu se plaindre, de si on l'a fait ci, si on l'a fait ça, maman a fait ci, telle personne a fait ça, tel de mes frères a fait ceci. Je l'ai écouté et je lui ai dit, écoute papa, depuis un moment, je me suis mise en jeûne et j'ai décidé de prier Dieu.
Et je crois, je suis convaincue aujourd'hui, en fait, que tous ces problèmes depuis des années, c'est parce que tu fais de la sorcellerie. Et ce que tu appelles, en fait, quand vous invoquez les ancêtres, eh bien, c'est de la sorcellerie, en fait. Et c'est de là que vient le problème. Et c'est aller plus loin sans que je rentre dans certains détails, mais en fait, Dieu était tellement bon parce que il m'a même révélé, en fait, des conversations que mon père avait eues avec le marabout, des choses que mon père ne m'avait jamais dites. Et je lui ai dit, tu as dit ça au marabout, le marabout t'a dit ça, il t'a dit que si tu fais ceci, voilà ce qui va arriver, si toi tu fais ceci. En fait, je leur ai décrit leur conversation, et pour la première fois, parce que ce n'est pas quelqu'un qui se laisse impressionner facilement, mais pour la première fois, en fait, j'avais vu que mon père était limite tétanisé, en fait. Il a eu un peu peur. Là, il a eu peur, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment elle a su? Mais je sais que c'était Dieu, parce que j'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu, j'ai dit qu'il me révèle les choses cachées, et le Seigneur l'a fait. Mais mon père n'a pas voulu écouter, il n'a pas voulu arrêter ce qu'il a. Il n'a pas voulu arrêter ses pratiques. Et puis, quand je continuais mes temps de prière, il y a eu une forte envie dans mon cœur. Du jour au lendemain, je suis allée voir mon père, je lui ai dit, papa, je veux venir en France. Et pourtant, moi, honnêtement, pour rien au monde, je n'aurais voulu quitter mon pays. Pour rien au monde. Je lui ai dit, papa, il faut que je veux venir en France. Et lui aussi, il me regarde, il me dit, ok. Pourtant, c'était quelqu'un avec qui il fallait beaucoup discuter. Et surtout, là, je demandais quand même quelque chose qui n'était pas prévu avant. Ce n'était pas programmé. Parce que, voilà, un voyage comme ça, il faut s'organiser et tout ça. Ce n'était pas prévu. Du jour au lendemain, je me suis levée. Je lui ai dit, je vais venir en France. Lui aussi me regarde et me dit, OK. Et je vous raconte la suite. Nous avons donc décidé d'entreprendre les démarches pour que je vienne en France. Donc, à l'époque, j'avais à peu près 23 ans. Et ce qui était fort, c'est que les démarches, en tout cas au Cameroun, elles sont difficiles, hein. Elles sont difficiles pour faire voilà, tout ce qui est administratif et tout ça. C'est pas facile, hein. C'est pour cela que malheureusement, beaucoup aussi rentrent dans la corruption. Pour se faire un passeport, avoir une carte de ceci, etc. Ils font de la corruption. Mais moi, en 2 semaines, j'ai eu tous mes papiers. En 2 semaines, alors que pour le même visa ou les mêmes documents, des gens font des mois, voire des années. Moi, en 2 semaines, tout s'est fait. Et voilà comment donc je viens ici. Je me souviens que avant de venir, on a fait une réunion familiale, on en faisait constamment, soi-disant pour régler les problèmes de famille. Pff, à un moment donné, personnellement, ça me saoulait. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai cherché la face de Dieu, parce que je me disais, les problèmes, les réunions familiales, c'était surtout des procès, parce que c'était trop ça. Toi, tu as fait ci, toi, tu as fait ça, c'est toujours des accusations. Donc, quand vous venez tout le temps dans des procès, à un moment donné, ça, c'est voilà, ça, c'est perturbant. Et donc, on a fait une réunion familiale, soi-disant pour me dire au revoir. Et puis, la réunion familiale, le revoir s'est transformé encore en procès. Toi, tu as fait ceci, oui, la femme de ceci a fait cela, etc. Et j'étais là et je disais, mais on est censé me dire au revoir, en fait. Et celle-même à qui on est censé dire au revoir, parce que comme tout le monde, il fallait intervenir, et toi, tu penses quoi? Ben, quand on me dit, et moi, tu penses quoi? Eh bien, par exemple, moi, on m'avait posé une question. Par rapport à une tante qui se plaignait de ma mère parce que ma mère lui aurait confié à mon père un secret et ma tante ne voulait pas que l'on parle à son mari. Elle était fâchée contre elle. Et puis on me dit, et toi, tu en penses quoi? Eh bien, moi, j'ai répondu, eh bien, le Congo ça entre mari et femme est normal. Alors, vous savez que ça, pour après, le Congo ça, c'est une expression, en fait, au Cameroun. C'est pas bien, mais ça dit, c'est du commérage, en fait. Mais en fait, c'était une façon pour moi de dire, eh bien, en fait, une femme qui dit des choses, qui confie des secrets à son mari, ben, moi, je trouve ça normal. Ben, je n'aurais peut-être pas dû dire ça comme ça. Aujourd'hui, en tout cas, je ne le redirai pas comme ça. Je dirais les choses autrement. Je dirais que, eh bien, une femme qui confie des secrets à son mari, ben, pour moi, c'est tout à fait normal. Mais comme une enfant, ben, j'ai dit comme ça avec le Congo centre, mari et femme, mais c'est normal, non? Et puis, je vois comment tout le monde me regarde fâché.
Et à un moment donné, ma grand-mère prend la parole et elle me maudit. Oui, toi, ceci, cela, elle me maudit, elle me maudit, elle me maudit. Et dans ses malédictions, elle dit que eh ben, si mon père n'est plus vivant, franchement, ma vie est fichue. D'ailleurs, elle avait l'habitude de le dire. Hein. Elle avait l'habitude de nous dire, franchement, si votre père n'est plus vivant, parce que c'est lui qui vous protège beaucoup, votre vie est fichue. Mais chaque fois qu'elle disait, j'entendais une autre voix qui me dit, tu n'es pas fichue parce que Dieu est là. Il y avait toujours cette petite voix qui me disait ça dans le cœur. Du coup, moi, ça ne me faisait pas particulièrement peur. À d'autres, ça faisait peur, mais moi, ça ne me faisait pas particulièrement peur. Mais elle me ressort ça encore. Donc, réunion de revoir un peu froide. Un peu froide, je devais prendre l'avion dans quelques heures. Et puis, ce sont des procès et c'est plutôt une malédiction déguisée. Franchement, comme en même temps, je pense que j'étais en période de prière. Ça m'affectait moins, ça m'affectait moins parce que quand j'en ai parlé à d'autres aînés, on me disait, ah, oh, mais tu dois avoir peur parce que si la grand-mère te maudit, c'est grave, etc. Pff, pour moi, franchement, pour moi, j'étais zen. Pourquoi? Parce que Dieu, il est là. Dieu, il était là. Et pourtant, je ne le connaissais pas intimement. Quand je suis arrivée donc en France, je me souviens le premier soir, je me suis sentie dans un désert. J'étais dans ma petite chambre d'étudiante à l'époque. Je venais pour poursuivre mes études et je me suis sentie comme dans un désert. Pour la première fois, j'étais coupée de ma famille. Mine de rien, même si elle était difficile, mais j'étais hyper attachée. Et là, j'ai senti que j'étais seule. Donc, je rappelle, je suis dans un contexte où j'ai toujours été contrôlée, toujours été à pouponner, mais en fait, c'était contrôlé. Et là, pour la première fois, je me trouve toute seule comme ça. Et ça m'a vraiment dérangée. Je me souviens que j'ai éclaté en sanglots. Dans la chambre, j'ai éclaté en sanglots. J'ai éclaté en sanglots parce que je me sentais seule. Et là, j'ai eu vraiment envie de me rapprocher de Dieu. Et il fut un moment où j'avais à cœur d'écouter des louanges. D'écouter des louanges, ce que je ne faisais pas. Je rappelle, je ne savais même pas utiliser vraiment mon ordinateur. Je me souviens que quand j'allais en fac à Paris 2 à l'époque, tout le monde, je voyais tout le monde avec des ordinateurs. Et je me disais, oh là là, est-ce que je vais m'en sortir ici? Et moi, je prenais ma petite feuille, j'écrivais, j'essayais tant bien que mal de reprendre ce que le professeur, en fait, il disait. Mais c'était vraiment handicapant. Après, Dieu est très puissant parce que ça ne m'avait pas empêché d'être majeure de ma promotion à l'époque. Mais c'était vraiment handicapant. C'était tellement handicapant que la seule chose qui m'a vraiment donné envie d'utiliser mon ordinateur, parce que c'était mon ordinateur, moi j'en avais un, même si je ne l'utilisais pas beaucoup, c'était non seulement les démarches que j'étais obligée de faire, et aussi à un moment donné, c'était les louanges. Voilà, parce que je n'avais pas de télé, eh ben, tu as Internet, et eh ben, voilà, tu t'en sers. Donc je cherchais des louanges comme ça. Et les louanges, elles me faisaient du bien. Elles me faisaient du bien. Et puis quand j'allais à la messe, un jour, j'ai eu l'idée eh bien, de prendre les homélies du prêtre, parce qu'il y avait toujours son homélie qui était à l'église, en tout cas que je fréquentais, juste à côté de la maison. C'était retranscrit en papier et je prenais. Et j'avais eu l'idée, bah, tiens, je vais me remettre ça par mail et je vais l'envoyer à mes contacts. Voilà. Et puis, donc, je retranscrivais les homélies du prêtre. Et j'envoyais par mail, je me disais, ça va faire du bien aux gens. Et c'est vrai, j'ai eu des retours, j'ai eu des personnes, oh franchement, c'était trop bien et tout. Et j'avais aussi constaté cependant que quand j'allais vérifier certains propos du prêtre, en fait, dans la Bible, je me trouvais que c'était contradictoire. Donc, soit ça ne correspondait pas, en fait, à ce qui était dit dans la Bible, soit, à mon sens, c'était hors contexte. OK, au début, je me suis dit, voilà, l'erreur est humaine, hein, même un prêtre, c'est un être humain, voilà. Et j'ai constaté que c'était devenu systématique. Une fois, deux fois, trois fois, je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression que le prêtre dit des choses qui ne sont pas bibliques, en fait? Ça a commencé un peu à m'intriguer. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, d'où vient même la religion catholique? Pourquoi je dis même que je suis catholique? En fait, c'est la question qui m'était posée. Je me suis posée, pourquoi je dis même que je suis catholique? Parce que quand on me dit, ben, en fait, tu es de quelle religion? Je dis, catholique. Et je me suis dit, mais pourquoi moi je dis que je suis catholique en fait? Et j'ai commencé à aller faire donc des recherches sur le catholicisme, d'où ça vient, etc. Et donc je passe certains détails. Moi je suis tombée sur des choses qui ne m'ont pas rassurée. Parce que, à vrai dire, moi je voulais marcher avec Dieu. Donc dès qu'il y avait quelque chose qui pour moi n'était pas biblique, ça me rassurait pas. Et j'ai grandi, on m'a appris des choses dans la catéchèse, mais sans que moi-même je sois allée vérifier. C'est quand je suis arrivée ici.
quand j'étais toute seule. Mais après, là, il y avait au moins une personne qui pouvait te surveiller parce que moi, par exemple, mon père, lui, déchirait les Bibles. Donc, ma mère n'avait pas le droit d'avoir une Bible, nous, on n'avait pas le droit d'avoir une Bible. Donc, du coup, même quand j'allais à la messe, c'était la bagarre. C'était la bagarre. Donc, il voyait la Bible, il la déchirait. Oui, je veux pas ce livre ici et tout. Non, c'est quand je me suis retrouvée toute seule qu'enfin, j'étais libre de lire la Bible, quoi. Et donc, du coup, j'ai décidé donc de la lire à fond et de la confronter avec les homélies. Parce que je trouvais que de plus en plus, il y avait des choses qui n'étaient pas correctes. Mais ça me faisait peur parce que je me disais, mais qui suis-je, moi? Moi, je peux pas faire de théologie, moi. Qu'est-ce que moi, je peux... Qu'est-ce que je peux discuter avec un prêtre s'il dit ça? Mais c'est aussi tellement fort que voilà, pour moi, je ne pouvais pas me contenir. Donc, dans les recherches que je faisais sur Internet et qui ne me rassuraient pas, puisque là où mon père m'avait installée, parce qu'il s'est bien arrangé à m'installer dans un milieu religieux, donc c'était une résidence étudiante, mais qui était tenue par des sœurs, je pense que c'était des Bernardins, quelque chose comme ça, je ne suis pas sûre, mais ils adoraient un saint là, un saint, Saint Bernard, je crois, ou quelque chose comme ça en fait. Et avec, j'avais quand même, moi je prends ça pour une grâce, ils avaient une bibliothèque en fait de livres religieux et tout. Et je me suis dit, je vais un peu aller voir en quoi ils croient. Donc, je suis allée dans la bibliothèque, qui était pourtant ouverte à tout le monde, mais personne n'y allait. Tout le monde venait juste pour avoir son petit appartement, louer son truc. Et je me suis dit, mais on a une bibliothèque, mais pourquoi on n'en profite pas? Je suis allée dans la bibliothèque donc des sœurs et j'ai commencé à fouiller les écrits de ce saint-là, voir sa doctrine. Et en fait, quand je lis sa doctrine, je me rends compte que lui, il prêchait subtilement un salut par les œuvres. Et pourtant, dans la Bible, moi, je vois qu'on est sauvé par Jésus-Christ. Et puis, je me dis, mais ce n'est pas normal. On n'est pas sauvé, en fait, parce qu'on fait tel nombre de rituels, parce qu'on prie de telle manière. Mais en fait, il est écrit qu'on est sauvé que par la foi. Et en fait, moi, j'ai trouvé comment qu'on est sauvé par la foi, parce que je ne le savais pas moi non plus avant. Mais c'est quand je faisais des recherches sur Internet, je tombais sur certains témoignages de personnes qui auraient donné leur vie à Christ. Et en fait, je me rends compte que eux, déjà, quand ils témoignent, ils sont plus paisibles. Moi, c'est une paix que je n'avais pas. Je réalisais qu'il parlait d'un Jésus que je ne connais pas. Pourtant, moi aussi, je me disais croire en Jésus. Et je trouvais que, en tout cas, ce qu'il disait, moi, m'apaisait plus. Et ça rendait un peu certaines incompréhensions, certaines pièces du puzzle. Ça remettait certaines pièces de puzzle, en fait, à l'endroit. Et maintenant, je compare avec ce que moi, m'a appris en catéchèse, dans la religion. Je me rends compte que, petit à petit, je suis à côté de la plaque. Et maintenant, ça, c'est sans compter le côté sombre, occulte aussi qu'il y a dans la religion, catholique, parce que malheureusement, il y en a. C'est sans voile, les tensés, parce que certaines personnes aussi, ils sont là, ils vont juger les catholiques. Mais ce n'est pas une question, en fait, de jugement des catholiques. C'est que je me suis rendu compte, toute religion où vraiment, c'est Christ qui n'est pas... l'alpha et l'oméga, le centre, quand on ne marche pas par l'esprit, malheureusement, qu'on le veuille ou non, même sans faire exprès, on se retrouve en train de faire de la sorcellerie inconsciente. Donc, en tout cas, moi, personnellement, je me suis rendu compte que je faisais des pratiques, en fait, qui n'étaient pas saines. Après, je suis allée terre à terre. Je me suis dit, bah, écoute, le chapelet que je fais là, est-ce que j'ai une référence biblique? Je ne l'ai pas. Bon, Marie, je l'avais déjà squeezée. Des prières, je trouvais que ben, c'était tout le temps réglementé, mais que j'étais pas, je n'en faisais pas moi-même personnellement. La Bible, alors, je ne la lisais même pas. C'est-à-dire, je mâchais que ce que le prêtre me disait. Et pour pas que j'aille vérifier, en fait, si c'est biblique et tout ça, je me rendais compte, en fait, que ça ne correspondait pas. Un jour, alors ça, c'était avant que je vienne en France. Un jour, je me souviens que je commençais déjà à émettre des doutes, en fait, par rapport à mes croyances. Et comme ça m'effrayait, j'avais pris rendez-vous avec un prêtre. Et j'avais décidé de lui demander pourquoi est-ce que nous avons des traditions, en fait, qui ne sont pas bibliques. Il m'avait simplement répondu, « Ma fille, il ne faut pas se poser ce genre de questions, sinon tu vas quitter la religion catholique. Et si tu la quittes, c'est grave parce que c'est la seule religion encore dans le monde qui est dans la vérité. » Et moi, je me suis dit, « Oh, le curé a parlé, il ne faut pas que je quitte la religion catholique. » Et moi, je suis restée enfoncée dedans. Et quand après, je me suis retrouvée toute seule, plus de curé à consulter, plus de famille à consulter, je me suis dit, « Il n'y a que Dieu maintenant et moi, et Dieu, tu dois me parler. » Et là, je me suis rendue compte que, ben, en fait, non, je n'étais pas forcément dans la vérité. Mais je continuais quand même d'aller à la messe. Mais cette fois-ci, j'allais à la messe en étant vraiment prudente parce que je ne savais pas où aller. J'avais une tante qui me disait, viens à mon église, mais le comportement de la tante là,
Ça ne me rassurait pas. Je trouvais qu'elle était trop dans un esprit de peur. Donc, comme quoi, franchement, c'est bien d'inviter les gens dans votre église, mais si aussi vous ne témoignez pas de Christ, ça va effrayer. En tout cas, moi, je ne voyais pas forcément les témoignages de Christ dans sa vie. Et moi, ça m'effrayait plus que ça. Du coup, je me suis dit, bah non, moi, je vais rester dans ma religion parce que quand moi, je la vois, en fait, vivre sa foi, ça ne me rassure pas, en fait. Et un jour, je suis allée à la messe et pour la première fois, pour la toute première fois depuis que je fréquentais cette église, c'est comme si mes yeux se sont ouverts. Ça s'appelait Saint-Ferdinand. Ça s'appelait Saint-Ferdinand, en tout cas la petite paroisse que je fréquentais. Et puis, j'y allais parce que c'était ça qui était à côté de la maison. Un jour, j'ai décidé de voir un peu plus l'endroit, parce que moi je m'assieds toujours au même endroit et j'ai décidé de visiter à la fin de la messe. Et quand j'ai visité, j'ai vu une statue qui était censée représenter Saint Ferdinand. Alors honnêtement, ça va m'être un peu difficile de le dire comme ça parce que je ne sais pas si c'était en vision, je ne sais pas si c'était réel, mais quand moi j'ai vu ce qui représentait le Saint Ferdinand là, je voyais on dirait soit un chacal, soit un renard. En fait, je le voyais, un chacal ou un renard, un animal. Et dans mon cœur, je me suis dit, c'est ça Saint-Ferdinand. Au même moment, je me retourne et il y avait plein, plein de photos des apôtres, soi-disant les apôtres de Jésus. Mais quand je voyais des monstres. En fait, c'est comme si je ne voyais pas ce que les gens voyaient, mais je voyais autre chose en fait. Je voyais des monstres et je me disais, mais pourquoi on a dessiné, par exemple, Saint-Tel fâché, pourquoi ils ont toujours l'air en colère, pourquoi il est toujours laid. Et je suis en train de regarder, je me disais, mais c'est des démons, c'est des démons, c'est des démons, c'est des démons, c'est des démons. En fait, j'ai l'impression que pourtant je fréquentais l'église depuis longtemps, ces images-là, ça correspondait pas en fait à ce que nous on voyait à l'œil nu. Et là, j'ai commencé à avoir peur, je me suis dit, mais où est-ce que je suis trempée? Je me souviens que je suis sortie en courant. Et je sors en courant et je me retourne pour regarder le nom même de l'église. Je me dis, mais c'est même quelle église où je suis vraiment? Et là, à l'époque, ils avaient affiché en grand une photo du pape. Et quand je regarde le pape, j'avais jamais eu cette idée particulièrement avant, en tout cas pas de cette manière-là, même si j'entendais, mais pour moi, je disais, oh, arrêtez de mal parler de quelqu'un et tout ça. Bon, l'idée, ce n'est pas de mal parler du pape, ce n'est pas ça en fait l'idée, mais on disait des choses qui n'étaient pas jolies sur lui avant. Et moi, je me disais, bon, de toute manière, c'est un homme, je ne suis pas là dans la région pour lui. Voilà, ça me dérangeait pas plus que ça. Mais ce jour-là, quand j'ai vu le pape, j'ai vu cette image et j'ai entendu une voix très forte dans mon cœur qui me dit, voilà ce que tu adores. Ce n'est pas moi qui suis adoré ici, c'est lui qui a adoré. Ce n'était pas moi qui parlais, je savais que c'était Dieu qui me parlait. Et là, j'ai eu une forte conviction de péché. Parce que pour moi, je n'adorais pas le pape. Mais là, Dieu est en train de me dire, il me disait, eh bien, en fait, c'est lui qui est le centre de la religion ici. C'est pas moi. Et en fait, quand je dis moi, c'était Jésus. J'entendais Jésus qui me parlait dans mon cœur en me disant, c'est pas moi qui suis le centre, mais c'est lui qui est le centre. Il faut que tu fasses ton choix. Et j'ai eu vraiment une forte conviction de péché. Je me souviens que je suis rentrée en catastrophe à la maison. J'ai continué, comme j'avais un tempérament vraiment très, très têtu aussi, je me suis dit, non, peut-être que c'était de moi-même. Et j'ai commencé à faire des recherches sur des personnes pour savoir si y en a qui sont quittés de la religion catholique, pourquoi ils sont quittés. Et leur témoignage me parlait beaucoup. Je suis notamment tombée sur le témoignage d'un prêtre. Et là, ça m'a parlé parce que, comme moi, je me disais, moi, je n'ai pas fait de la théologie, donc je n'ai pas beaucoup de connaissances. Et le témoignage de ce prêtre qui expliquait pourquoi il est sorti de là et il a vraiment rencontré le Seigneur Jésus-Christ, moi, m'a parlé parce que je me suis dit, au moins un théologien, si un théologien dit ça, c'est qu'il doit avoir quelque chose. Voilà. Et puis, il y a d'autres choses, puis il y a d'autres choses. De fil en aiguille, je me suis rendu compte que ben, c'était peut-être pas en fait la bonne voie, la bonne méthode, et que au lieu de chercher le vrai Dieu, j'ai cherché plutôt une religion. Et à ce moment-là, j'ai commencé à demander pardon au Seigneur. Chaque fois que je tombais sur un témoignage qui invitait à faire une prière de repentance, j'en faisais. Et je disais, Seigneur, je te demande pardon parce que je ne savais pas que j'étais trempée dans du faux. Je vois que tu m'appelais depuis. Et je veux vraiment te donner ma vie, je veux changer, et puis je viens à toi. Et à partir de ce moment-là, il s'est passé des choses très graves.
Donc, c'est à ce moment-là que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, véritablement. Et que j'ai compris que la vie, en fait, ne se trouve pas forcément dans une religion, mais en Seigneur. Mais cela est passé par un songe. Donc, après ces prières-là, donc après avoir dit à Dieu, écoute, Seigneur, moi, je te veux vraiment, j'ai pas envie d'aller en enfer parce que malgré toutes les œuvres pieuses que je fais, les pèlerinages, les prières, les bonnes actions, tout ça, je ne me sens pas forcément sauvée. Et les musulmans m'ont dit leur théorie. Les catholiques m'ont dit leur théorie. Témoin de Jéhovah a parlé aussi. L'animisme, bon, lui, j'ai compris que c'est bizarre. Mais maintenant, Dieu, parle-moi en fait. Parle-moi. Et en faisant cette prière, je me suis endormie. C'était la nuit et j'ai fait un songe. Dans ce songe, en fait, je me suis retrouvée toute nue comme sortie du ventre de ma mère, au-dessus des eaux. C'était une grande mer à perte de vue, remplie d'ordures. Il y avait tellement d'ordures que tu voyais même pas l'eau. C'était que des ordures. J'étais sur un petit pont. Alors, le pont, il ressemblait à un bâton. Donc, tu faisais un peu comme des gens qui font, je ne sais pas comment on les appelle, mais vous voyez ces gens dans les spectacles, là, les cirques là, qui marchent comme ça. Et c'était à ça à quoi ressemblait le pont. Donc, je marchais comme ça parce que j'avais peur de tomber. Et j'étais de l'autre côté du pont. Et puis, au bout du pont, je vois une main. La main m'attendait, elle me tendait comme ça. Je ne sais pas comment je peux le dire, mais dans le son, je savais que c'était la main de Jésus-Christ. Et qui m'attendait comme ça? Il me tendait la main, comme pour dire, viens, viens. Je me suis réveillée. Et à ce moment-là, j'ai dit, ah là là, c'est fort. C'est fort. Et j'ai décidé vraiment de me mettre davantage à fond avec Dieu, de lire la parole, etc. Et je commençais à noter en tout cas des petits changements. Je ne voulais plus rien entendre à part Dieu. J'étais dans une période d'examen. J'étais dans une période d'examen. Et moi, avant, mon Dieu, c'était l'école. Ceux qui m'ont connu avant, ils le savent. Mon Dieu, c'était l'école. D'ailleurs, j'avais même un surnom avant, on m'appelait l'école. Mon Dieu, c'était l'école. Donc, quand il y avait des examens, il ne faut pas me chercher. Même la nourriture, je ne mange pas tant que je n'ai pas compris une équation. Moi, c'était comme ça, en fait. Je pouvais passer toute la journée, je ne mange pas tant que je n'ai pas compris quelque chose. Bon, après, il y avait des performances, mais bon, il ne fallait pas non plus aussi se flageller. Je l'ai compris aujourd'hui. Et puis, j'avais constaté que malgré que j'ai été dans une période d'examen, j'ai pu mettre mes révisions de côté. Tous les jours, je cherchais. Tous les jours, j'étais là dans la Bible. Tous les jours, j'écoutais des témoignages. Tous les jours, je m'en foutais maintenant de l'examen. Je m'en foutais comme si j'échouais. Ce n'était plus mon problème. Et ça, c'était quelque chose qui avait changé. Il y avait une soif qui était née en moi. Et l'envie de connaître vraiment qui est Jésus-Christ est née en moi. Et puis, il y a eu un autre songe aussi. Il y a un autre songe. Avant le songe, je sentais des oppressions. Donc, au fur et à mesure que je cherchais Dieu, je sentais des oppressions. Une fois, par exemple, je me souviens que j'étais dans ma chambre et puis j'ai senti une force, mais maléfique, qui a pris ma tête et qui m'a obligée à faire des prières comme les musulmans font souvent, me mettre à genoux comme ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on dirait vraiment que c'est comme si on voulait que je fasse une prière comme des musulmans. Mais en même temps, ça prenait ma tête et ça disait « Prie Marie, prie Marie, prie Marie !» Et je l'entendais bien, « Prie Marie !» Et je me suis dit « Mais c'est quoi le rapport entre musulman et Marie? Je ne comprends rien. » Mais c'était fort, c'était tellement fort que mes mains, mon corps ne m'obéissait pas en fait. Et là, j'étais en même temps là, non, 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 je vais arrêter. Et ça commençait à me faire peur parce que de plus en plus, je sentais des manifestations surnaturelles en fait dans ma chambre. Je me suis dit, mais c'est bizarre depuis que je commence à chercher Jésus là, vraiment, il y a des trucs bizarres. Et puis une fois, là, j'avais vraiment déjà donné ma vie au Seigneur, hein, mais c'était toujours la même semaine, il y avait beaucoup de choses qui bougeaient. L'une des choses qui était très, très forte, c'était un songe en fait que je tiens à partager, c'était que. Je me suis retrouvée dans un endroit lugubre et puis j'ai vu une femme qui avait la tête d'une folle, mais vraiment une folle. Je sais pas comment dire ça, mais c'était une folle. Quand je la voyais, je voyais une folle avec des cheveux ébouriffés comme ça, même l'aspect, on dirait une folle. Et puis elle avait une table de Ouija. Bon, peut-être si vous savez pas ce que c'est qu'une table de Ouija, allez faire des recherches. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Bon, déjà, moi, je ne savais même pas ce que c'est qu'une table de Ouija à l'époque. Mais comme je faisais tellement de recherches
sur la religion, Dieu, Jésus et tout ça, de fil en aiguille, j'ai découvert ce que c'est qu'une table de Ouija. Je pense que Dieu aussi avait bien conduit les choses, parce que si j'avais vu la dame dans le songe avec cette tablette-là, je n'aurais pas su ce qu'elle faisait. Donc, je la voyais prendre la table de Ouija et elle faisait des choses comme ça. Elle était en train d'invoquer Satan. Dans le songe, je m'étais permis de comprendre ce qu'elle faisait. Et moi, j'étais cachée derrière un paravent. Et je la voyais comme ça, je guettais. Et puis, quelques minutes plus tard, Satan est apparu. Alors, la manière dont moi je l'ai vu, j'ai dit la manière dont moi je l'ai vu, il était habillé un peu avec une grande cape en noir. C'était comme un moine avec un vêtement, vous voyez un peu dans le film, je crois, Scream, quelque chose comme ça, Scream, où vous voyez le masque là, la manière dont le monsieur il est masqué. C'était vraiment, c'était comme ça. C'était comme ça. Donc, et je me souviens aussi d'un personnage très grand de taille, vraiment très très grand de taille. Et puis, il lui dit, quand il est apparu, avant qu'il ne commence à parler, il y a une sorte de cahier qui est venu vers moi. Et puis, leur conversation a commencé à s'écrire parce qu'ils parlaient une langue que je ne comprenais pas. Mais au fur et à mesure qu'ils parlaient, ça s'écrivait en fait et moi, je pouvais comprendre ce qu'ils disaient. Et puis, Satan dit à la dame folle, pourquoi tu m'as dérangé? Pourquoi tu m'as appelé? Énervée. Et elle lui répond, je n'arrive plus à la contrôler. Et je me souviens que quand elle a dit ça, j'ai failli sortir en colère du paravent et dire, contrôler qui? Parce que s'il y avait un mot que je ne voulais pas entendre, c'était contrôler, parce que toute ma vie, je me suis sentie contrôlée. Donc quand elle dit, sachant qu'elle parlait de moi, je n'arrive plus à la contrôler. Ça m'a dérangée. Et en fait, je me suis dit, mais c'est elle qui me contrôlait. Et là, je me suis dit dans mon cœur. Et là, Satan aussi, il répond à la dame en colère. Comment ça, tu n'arrives plus à la contrôler? Et puis il lui dit, laisse-moi faire. Et quand il lui a dit, laisse-moi faire, le paravent a disparu, le cahier a disparu, et un vent bizarre qui m'a poussé devant le diable. Je me suis retrouvée comme ça devant lui. Et Dieu merci, j'ai pas vu le visage. Je me souviens juste de la cape qui cachait le visage et j'ai pu juste entrevoir les lèvres, la bouche, mais il a essayé de faire quelque chose et je me souviens en tout cas de cette méchanceté qui était palpable. Tu pouvais toucher la méchanceté comme je touche ce livre, comme je touche cette tasse. Tellement la méchanceté qui émanait de lui était forte. À elle seule, elle pouvait tuer. Vraiment, elle seule, elle pouvait tuer. Ça, c'est vraiment une des choses que je peux quand même relever. Et quand je me suis retrouvée devant lui comme ça, au même moment, j'ai ouvert les yeux. J'ai ouvert les yeux sur mon lit. Et donc, je me retrouve sur mon lit. Je transpirais avec des grosses gouttes de sueur. C'est-à-dire, quelqu'un m'aurait vu, on aurait dit qu'on avait versé de l'eau sur moi. Mon lit était mouillé de sueur. Et je voyais que mon âme était en train de se détacher. Elle sortait de mon corps. Donc mon corps était resté sur le lit. Mais je voyais mon âme qui partait tout en bas, tout en bas, tout en bas. Il y avait une force bizarre qui la tirait en bas. Et je voyais que je pouvais parler. J'ai commencé à crier. Mais ce n'était pas mon corps qui criait, c'était mon âme. Et quand j'ai crié dans mon âme, Jésus. J'ai crié Jésus. Mon corps qui était resté sur le lit, il était là. Mon âme, elle était là. Et automatiquement, elle est revenue. C'est un peu comme dans les dessins animés. Elle est revenue comme ça, dans mon corps. Et à ce moment-là, j'ai envie de dire comme si je suis revenue à la vie parce que je me sentais morte en fait. Et à un moment, j'ai eu le réflexe, prends la Bible, lis le psaume 91. Prends la Bible, lis le psaume 91, que je ne connaissais pas beaucoup, mais je savais quand même qu'il parlait de protection parce que je lisais pas la Bible. Donc, j'ai pris la Bible et j'ai commencé à lire le psaume 91. Je ne vais pas lire en entier, mais peut-être que ça pourra bénir certains. J'ai commencé à le proclamer pendant vraiment longtemps. Et
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, et te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux, seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge au Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur la main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, la spique. Tu fouleras le lionceau, le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai. Je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Puisqu'il m'invoque, je lui répondrai. J'invoquais Jésus, il m'a répondu. Dès que j'invoquais Jésus, mon âme est revenue dans le corps. Et effectivement, j'ai senti une lutte. Parce qu'au fur et à mesure que j'étais en train de proclamer ça, je proclamais ça plusieurs fois, en fait, je sentais que mon âme ressortait, mais maintenant du côté gauche, puisque je me suis levée, et ça revenait, et ça repartait du côté droit, etc. Donc, en fait, je sentais deux forces qui se tiraillaient, en fait, mon âme comme ça. Donc, pendant pratiquement une heure, j'étais comme ça. C'est franchement pas une sensation agréable, mais mon corps, lui, restait statique, mais l'âme sortait et elle allait comme ça. Et après, ça tirait encore de l'autre côté, ça tirait de l'autre côté. Donc voilà, bon, déjà, moi, ça m'a permis vraiment de réaliser qu'effectivement, nous sommes en trois dimensions. On est esprit, on est âme, on est corps aussi. Donc, les gens peut-être qui ont un peu du mal avec de croire au témoignage de mort imminente, ce genre de choses, mais c'est réel en fait. Moi, je l'ai vécu à ma façon. L'âme, c'est une chose, le corps, c'est une chose. Et franchement, l'âme, elle est très, très importante. C'est ça en fait que Dieu cherche et c'est ça que malheureusement aussi le diable veut détruire. J'ai fait ça en une heure. Après une heure, plus rien. J'ai senti une paix qui est tombée. Et là, je me suis sentie délivrée. Je me suis sentie délivrée. À partir de ce moment, il y a eu une joie, en fait, qui est vraiment venue en moi. J'avais envie de louer Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me souviens que le même week-end, parce que ça, c'était un mercredi, et le week-end, un samedi, je crois, pendant que j'étais en train de... Je disais, Seigneur, possède-moi par ton esprit. Je disais ça, possède-moi. En fait, je disais possède esprit. Pourquoi? Parce que j'entendais parler de possession démoniaque. Et moi, je voulais l'inverse. J'ai dit, man, moi, je ne vais pas être possédée par un démon. Je vais être possédée par l'esprit de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas si c'est correct de dire ça, mais possède-moi par ton esprit. Et je priais comme ça. Et je sentais vraiment la paix, la joie. Il y avait une joie que je ne pouvais pas qualifier. J'avais envie de parler de Dieu à tout le monde. Je me sentais libérée. Et il y a une chose qui s'est passée, c'est que je voyais, mais quand je dis je voyais, c'était vraiment ça, je voyais des écailles qui tombaient de mes yeux. En fait, il y avait quelque chose comme quelqu'un qui faisait comme ça, tac, tac. Et plus il faisait ça, plus je voyais clair. Plus il faisait ça, plus je voyais clair. Je me souviens, j'étais là dans ma chambre, pratiquement à genoux, et il y avait ces écailles-là, ces écailles qui tombaient en fait. Ça tombait, ça tombait, ça tombait. Et quand plus tard, d'ailleurs, j'ai vu que l'apôtre Paul avait été aveuglé pendant 3 jours et que des écailles sont tombées de ses yeux, je me suis dit, ah, mais c'est ça, c'est exactement ce que j'ai vécu. C'est exactement ce que j'ai vécu, en fait. Donc oui, des écailles sont tombées de mes yeux, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Bah tiens, quand je compte, j'avais même pas cette révélation, mais quand je compte, ça fait le troisième jour. Le troisième jour de la délivrance, les écailles sont tombées de mes yeux. Mais au moins, je ne veux pas, j'ai la révélation, hein, je ne l'avais pas. Donc, j'ai vécu ma part de résurrection comme ça. Et là, oui, j'ai commencé à voir plus clair. Et aussi, j'avais la sensation d'être un oiseau. J'avais la sensation d'être un oiseau qui est sorti du cache. Et je me souviens que à ce moment-là, je me suis dit, ouais, je suis appelée papa. Et je voulais dire que j'ai vécu quelque chose de fort. Je me souviens, ça c'était encore le mercredi, hein, donc avant ce que j'ai vécu samedi. C'était le mercredi, je me suis dit, je vais appeler papa, j'ai vécu quelque chose de grave, c'est fort. Et au moment où il était 7h du matin, donc dès que j'ai terminé la prière, il était 7h du matin, j'ai pris mon ordinateur, j'ai commencé j'ai pris mon ordinateur, je ne sais même pas pourquoi j'ai pris l'ordinateur, parce que pour appeler mon père, il fallait que je prenne mon téléphone, mais j'ai d'abord pris l'ordinateur, et là, comme par hasard, j'avais un ancien ami à l'époque, qui je vois qu'il est connecté sur Messenger. Et j'ai dit, ah, tiens, ben t'es là, attends, il faut que je te raconte un truc et tout.
Et là, je raconte ce qui s'est passé. Et quand je raconte ce qui s'est passé, je lui dis, et tu sais quoi? Je vais appeler mon père, je vais lui dire tout. Et ce qui était étrange, c'est que cet ami-là, il me renvoie un message, toujours sur Messenger, en gros caractère, en disant, non! Il écrit comme ça, non! Et en fait, quand il écrivait non, je voyais que c'était. En fait, je sentais comme si c'était Dieu qui était en train de me dire non, c'était pas lui. D'ailleurs, je me suis dit, mais pourquoi lui me dit ça? Est-ce pas comme s'il connaît trop bien ma famille? Mais c'était vraiment. C'était fort. Non, non, non. Je sentais que c'était pas lui qui parlait. N'appelle pas ton père maintenant. Ne l'appelle pas. Et malheureusement, j'avais déjà lancé l'appel le matin. Très tôt, mais mon père n'avait pas décroché. Donc, je me suis dit que je vais relancer encore en cours de journée. Et puis, voilà, et là, je vais lui dire. Mais quand il m'a dit non, je me suis dit, bon, je pense que Dieu est en train de me dire non. Parce que l'une des choses que j'avais aussi constatées, c'est que je commençais à entendre la voix de Dieu de façon plus fluide. Voilà, après cette expérience-là, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je commençais à entendre la voix de Dieu de façon plus fluide. Donc, j'arrivais à le reconnaître, en fait, un peu plus, ou véritablement plus. Donc, j'ai su que c'était lui qui me disait non. Je ne savais pas pourquoi à ce moment-là. Et donc, en cours de journée, voilà mon père, donc, du coup, qui rappelle, puisque je l'avais appelé déjà. Et puis, il me dit, pourquoi tu m'appelles? Il n'était pas content. Je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, il n'était pas content, il était nerveux. Tu m'as appelé, pourquoi? Et je ne savais pas quoi lui dire, parce que je savais que je ne devais pas l'appeler, que j'avais fait une erreur, en fait, en lançant cet appel. Et je me suis dit, purée, qu'est-ce que je vais inventer? Qu'est-ce que je vais inventer? Qu'est-ce que je vais inventer? J'avais pas envie de mentir, mais il fallait que je donne une réponse. Et là, je me suis dit, ah, bah tiens, j'ai besoin de l'argent pour payer le loyer, en fait, de la chambre. Ce qui était vrai en passant. Et j'avais complètement oublié même mon problème, en fait. Et comme je dépendais à ce moment-là financièrement de lui, en passant, mon père, il ne voulait pas du tout que je travaille. Donc, pour lui, je n'avais pas besoin de travailler parce que, voilà, il s'occupe de tout. Il nous empêchait de travailler, en tout cas à moi. Et même à d'autres membres de la famille, en passant. Et donc, je lui dis, j'ai besoin d'argent pour payer ma chambre. Et puis, il me dit, c'est tout? Je dis oui. Tu es sûr? Et là, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi il me pose la question comme s'il est au courant, en fait, comme s'il y a autre chose. Je lui ai dit, oui, je suis sûre, c'est tout. Il me dit, d'accord. Et je l'ai trouvé froid. Pourtant, voilà, avec moi, il était chaleureux et tout. Et là, ça a commencé à me faire flipper. Je me suis dit, oh, ça, c'est pas normal. Et je me suis dit, ah, si Dieu dit non, c'est qu'il doit avoir anguille sous roche, je ne sais pas quoi, mais on va le découvrir. Et puis, j'ai continué ma vie avec le Seigneur comme ça. Et donc, les 3 jours plus tard, j'ai ouvert les yeux. Dieu m'a ouvert les yeux. Il m'a vraiment libérée. Son esprit m'a rempli. Comme c'était pendant les vacances scolaires, bon, déjà avant même les vacances scolaires, j'avais quand même passé mon examen. Et je me souviens avoir dit à l'époque à Dieu, écoute, Seigneur, je n'ai pas beaucoup révisé, mais comme c'était toi que je cherchais, s'il te plaît, tu fais un miracle. Et Dieu m'a exaucé. Franchement, j'ai eu une très, très bonne note. Et donc, j'attendais les résultats. Et j'ai eu mon entrée en master à l'époque. Donc, pendant toutes les vacances, je cherchais un job et je ne trouvais pas. Et Dieu me dit, enfin, quand j'arrivais, je criais à Dieu, oui, mais Seigneur, mais donne-moi un job, donne-moi un job, donne-moi un job d'étudiant, je veux un job d'étudiant, je veux gagner de l'argent. Il me dit, non, c'est moi qui suis en train de bloquer. Tu n'auras pas le job. Je veux que tu restes dans ma présence pendant toutes les vacances. Et bien, c'est ce que j'ai fait. Donc, pendant 3 mois, je me suis gavée. C'était que prière, Bible, prière, Bible, prière, Bible, témoignage, enseignement, prière, Bible, témoignage, enseignement. Et ça a porté du fruit. Dieu est bon parce que juste après cette période-là, j'ai trouvé du travail carrément dans l'immeuble. Moi, je cherchais du travail ailleurs, mais dans l'immeuble même, j'ai trouvé du travail. Le travail est venu me trouver. Ce n'est même pas moi qui suis allée chercher. Le travail est venu me trouver. Oui, on a besoin de quelqu'un pour faire ceci. Ah, bah tiens! Et donc, Dieu m'avait béni à ce moment-là. Mais pendant les 3 mois, je suis restée dans sa présence. Je me souviens que quand enfin il m'a montré, il m'a permis d'aller dans une bonne église où j'ai pu vraiment grandir avec dans la vérité de la parole. Et bien, quand les gens me voyaient, on me disait, ben, on a l'impression en fait que tu connais Jésus depuis des années. Ben, en fait, non, ça faisait que depuis 3 mois. Mais c'est parce que quand pendant 3 mois, je faisais que prier, parole, prier, parole, prière, parole, prier, parole. En fait, vraiment, Dieu m'a gavé. Dieu m'a vraiment gavé. J'étais pleine, j'étais remplie en fait de son esprit. Et puis, peu après, donc je vais, pour aller un peu plus vite, je vais juste dire les choses comme ça. Bon, peu après, mais je me suis rendu compte que, enfin, Dieu m'a fait comprendre, en fait, il m'a.
m'a fait comprendre que, en fait, ce que j'avais vécu, c'était que, malheureusement, mon père était entré dans une loge satanique. C'était de la franc-maçonnerie, précisément. Et puis, il m'avait vendu. Il m'avait vendu, en fait. Donc, c'était pour avoir du pouvoir. Hein. Et le jour de la vente, le jour de la vente devait être concrétisé, ce fameux jour où j'ai vu que le diable m'était apparu et tout ça. Et en fait, on venait prendre mon âme. On venait prendre mon âme parce que mon père m'avait vendu, en fait. Sauf que, heureusement, je venais à peine de donner ma vie à Christ. Et en fait, Dieu m'a fait comprendre que le bâton sur lequel j'étais en train de marcher, là, quand je disais, en fait, j'ai fait un songe, que j'étais sur un bâton tout fin. Il m'a dit, en fait, que le bâton était tout fin parce que ta vie n'en tenait qu'à un fil. Et ta vie n'en tenait qu'à un fil. Autrement dit, si je n'avais pas donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, je pense que ce serait l'anniversaire de ma tombe, de ma mort qu'on fêterait à un moment donné. Et je serais en enfer. Je serais en enfer. Malheureusement. Mais Dieu est bon. Dieu est bon et il est persévérant. Il m'a aussi fait comprendre que dans le songe, quand je me suis vue toute nue, en fait, c'était ma nudité devant Dieu. Et il me disait en fait que ben, tu étais en train d'essayer pendant toute ta vie avec tes œuvres religieuses, tu essayais de cacher la nudité en fait de ton âme en faisant des bonnes actions, croyant qu'en fait c'est au fur et à mesure que tu vas faire des bonnes actions, les prières, les aumônes, ce genre de choses, que tu vas enfin payer ta dette devant Dieu. Et c'est pour ça que tu t'es retrouvée nue. Et il m'a aussi expliqué que ben, la multitude, en fait, la grande mère, avec la multitude des ordures. Il m'a dit, c'est la multitude de tes péchés. Je me souviens que j'avais dit au Seigneur, quoi? Tout ça, moi seule? Et puis, il m'a dit oui. Et puis, je lui ai dit, mais comment moi j'ai pu pécher comme ça beaucoup, Seigneur? Je ne me souviens pas avoir fait tout ça. Et puis, il m'a dit, ça m'a pas misé. Même le jour où tu as volé la viande quand tu étais enfant dans la mamie de maman, ça compte aussi. Et je me suis rendu compte que même quand un enfant fait des petites bêtises, eh bien, ça compte, ce sont des péchés. Bref, on pêche consciemment, on pêche par orgueil, on pêche par erreur, on pêche par ignorance. Et en fait, si on devait comptabiliser tous ces péchés-là, ça pèse, ça pèse. Et la multitude de mes péchés était capable de couvrir toute une mer. Je vous dis, il n'y avait même pas un espace où tu voyais l'eau. C'est juste dans le songe que je savais que c'était de l'eau. Mais voilà, c'était trop rempli. Et puis, il m'a aussi dit, en fait, Jésus qui est venu, comme moi j'avais dit, Seigneur, c'est dans quelle religion et tout. En fait, il a voulu me faire comprendre que ce n'est pas une religion, c'est Jésus. Tu n'as pas besoin de me chercher dans une religion. C'est Jésus qui est la vérité. Un point très. Il m'a aussi fait comprendre qu'en fait, quand il m'a montré la main, en fait, c'est parce que c'était 5 des chiffres de la grâce. En tout cas, moi, je m'en suis souvenue parce que, et je veux quand même dire merci à ce prêtre à l'époque, et j'espère qu'entre-temps, lui aussi, s'est vraiment donné à Christ. Mais quand je faisais des cours de religion, parce que comme j'avais fait un collège missionnaire catholique à l'époque, ben nous, de toute façon, on ne mettait que chez les catholiques, en fait. Et on faisait des cours de religion, quelle que soit ta religion, musulmane, tout ce que tu veux, bouddhiste, etc., athée même, mais on était obligé de faire des cours de religion. Et dans un de ces cours-là, je me souviens, c'était la seule chose, franchement, qui restait dans mon cœur de tous les cours de religion que je faisais, que j'ai eu. Le prêtre avait dit à l'époque que 5, c'est le chiffre de la grâce. C'est la seule chose qui m'est restée dans le cœur. Je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais c'était resté dans mon cœur. Quand quelques années plus tard, j'ai vu la main de Christ comme ça, c'est la seule chose qui m'est revenue en fait. La grâce. Et là, j'ai compris que Dieu est en train de me dire que tu ne peux pas nettoyer toute cette mer-là avec tes œuvres. Tu resteras nu. Accepte seulement la grâce. On n'est sauvé pas par nos œuvres, mais par la grâce de Dieu. Tu ne peux pas payer ta dette. Cesse de payer, de chercher à payer ta dette. Tu ne peux pas. Et j'ai béni le Seigneur pour ça. J'ai compris aussi que Dieu me cherchait quand même depuis que j'étais enfant, en fait. Et c'est juste que je ne le réalisais pas parce que je lui avais dit, mais Seigneur, pourquoi c'est seulement maintenant que tu me révèles ça? Depuis que je te prie là, tu ne me réponds pas. C'est seulement maintenant que tu me réponds. Et puis Dieu me répond, non, c'est moi qui te cherche depuis longtemps. Et c'est toi qui n'acceptes pas ma grâce, c'est pas toi qui m'as cherché, c'est moi qui te cherche en fait. Donc voilà, c'est un peu des conversations amusantes que j'ai eues avec Dieu à l'époque. Et je le bénis vraiment pour ça. Donc voilà,
J'ai évolué dans cela et après, avec le coup, avec mon père qui m'a beaucoup brisée, parce que j'aimais beaucoup mon père, je me suis dit, mais papa, pourquoi il a fait ça en fait? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a voulu me vendre? Pourquoi il a voulu me vendre? Et Dieu, bon, j'ai pris ça en guise aussi de réponse. Je me souviens toujours dans la même période, c'est toute la semaine, hein, pendant toute la semaine, un autre songe que j'avais fait. Dans ce songe, je me voyais dans une voiture avec mon père devant et ma mère de l'autre côté, du côté du copilote, si je puis dire ça comme ça. Et je vois une grande étoile au-dessus dans le ciel. Et puis, c'était en train de l'étoile. Je voyais cette grande étoile et de l'étoile, j'entends une grande voix qui dit Esther, Esther. Alors, je ne sais pas si c'est Esther, c'est Esther, mais je préfère dire Esther en fait. Esther, 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 Esther. En fait, ça appelait mon premier prénom. Parce que on ne m'appelait pas en fait par mon premier prénom quand j'étais à la maison, on m'appelait plus par mon deuxième prénom. D'ailleurs, je trouvais ça un peu étrange, mais bon, j'étais habituée. Et en fait, pour la première fois, je réalise que ben, en fait, mon premier prénom, en fait, Estelle, est important. Que Dieu, c'est Dieu qui l'avait vraiment choisi. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il me montre ça au-dessus de mes parents et autres? Et puis plus tard, Dieu m'a fait comprendre que désormais, en fait, ton Dieu, ce n'est pas ton père et ta mère. Ton Dieu, c'est moi. Et que toute ta vie, en fait, tu étais contrôlée par ton papa, ta maman. Oui, il faut les honorer, mais il ne faut pas les adorer. Et quand tu mets en fait ton père ou ta mère au-dessus de Dieu, en fait, tu rentres dans l'adoration de l'homme, mais tu n'es plus dans l'adoration de Dieu. Et moi, je suis au-dessus de cela. Et je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle. Et aussi le fait d'avoir vu l'étoile, bon, aujourd'hui, je peux comprendre que c'était en fait le symbole de la destinée, en fait. Donc, c'est comme si en fait, Dieu était en train de m'expliquer que malheureusement, on travaillait des pratiques que mon père faisait et dans lesquelles ma mère était embarquée aussi, malheureusement. Donc, c'est pour ça que j'ai vu les deux. En fait, c'était pour voler ma destinée. Et donc, c'est pour cela qu'il m'avait vendue. Le but, c'était qu'après, qu'il devienne très riche, qu'il ait du pouvoir et tout ça, sauf que ça n'avait pas marché. Dieu merci, ça n'avait pas marché. Je rêvais aussi dans la même semaine, je voyais quelqu'un qui venait vers moi. Non, avant ça, je voyais que j'étais enchaînée, je m'étais retrouvée enchaînée comme une esclave. Mais en fait, je dis, j'étais comme une esclave sexuelle, en fait. J'étais enchaînée et je voyais une multitude de personnes qui venaient vers moi et pour abuser de moi. Et sauf que, à un moment donné, il y a une personne qui est venue vers moi et pour abuser de moi, elle m'a vue, je ne sais pas ce qu'elle a vu, elle a fui comme la peste. Ça, c'était après que j'ai donné ma vie à Christ. Donc, je me voyais enchaînée comme ça, toujours à poil et à la merci de n'importe quel violeur. Mais sauf que ce jour-là, quand cette personne-là est venue, parce que je dis ce jour-là, pourquoi? Parce que dans le son, j'avais l'impression que c'est quelque chose qui se faisait d'habitude. C'est quelque chose qui se faisait d'habitude. Et mais ce jour-là, quand cette bête ou ce truc est venu vers moi pour abuser de moi, il a vu un truc, il a fui. Et en fait, j'ai compris en fait que tous les abus sexuels que j'ai vécu, pourquoi ils étaient nombreux? En fait, c'est la multitude des esprits mauvais que je voyais. En fait, dans le monde spirituel, j'étais une esclave sexuelle. Je n'ai pas cherché, mais bon, ça, j'ai compris aussi que ce sont des jougs familiaux. Mais en fait, j'étais une esclave sexuelle. Et n'importe quel démon venait, il rentrait juste dans le corps de quelqu'un. Et puis, il faisait sa chose. Et après, moi, ça m'a aussi donné compassion même pour ceux qui m'ont fait du mal. Parce que l'erreur à ne pas commettre, c'est la rancune. Donc Dieu m'a accordé la grâce déjà de me souvenir de tout ça, parce que j'avais oublié ma mémoire, il y a eu un blanc. J'ai même réalisé en fait ça, après je ne l'avais pas vu, mais en fait Dieu m'a révélé après que cette scène où j'avais dormi avec mon papa, mais lui aussi avait abusé de moi. Et c'est pour ça qu'après je m'étais retrouvée bizarre juste après la scène, juste après cet épisode-là. Mais en fait, lui, c'était des actes sexuels occultes. En fait, lui puisait en pouvoir. Donc, quand il abusait, en fait, il puisait en pouvoir, en fait. Donc, c'était comme si dans le monde spirituel, c'était lui mon mari, en fait, spirituel. Et après, Dieu m'a fait comprendre que c'est pour cela que quand quelqu'un me plaisantait avec moi en disant « Ah, t'as tué de ma femme » ou alors, dès qu'on me disait « Marie », j'étais en colère, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose en moi qui rejetait,
en fait, tout ce qui est mari, mariage. Pourquoi? Parce que j'étais déjà malheureusement enchaînée, en fait, par des esprits méchants et au travers de mon père, en fait. Donc, j'ai aussi compris pourquoi la fois où je lui avais dit je t'aime en lui faisant un bisou à la joue, lui, j'avais l'impression qu'il comprenait, mais en fait, il comprenait parce qu'il savait ce qu'il avait fait. Il savait ce qu'il avait fait. Il savait qu'il était en train de. On avait un rapport maintenant différent dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, j'étais sa femme spirituelle, en fait. Et c'est pour cela que eh bien, j'étais très fusionnelle avec lui, mais avec ma mère, même si je l'aimais beaucoup, pas forcément. Et d'ailleurs, c'est aussi pour cela que le fossé entre lui et ma mère se creusait, parce que ben, tu peux pas avoir deux femmes, en fait. Tu ne peux pas aimer deux femmes en même temps, comme ça, ce n'est pas possible. Donc, même si ce n'était que spirituel, et même si je l'ignorais, ben, oui, j'avais un mari spirituel qui était malheureusement mon père. Et au travers de lui, il y avait beaucoup d'esprits mauvais, en fait, qui entraient dans ma vie et qui faisaient de ma vie, en fait, n'importe quoi. Mais Dieu m'a lavé, parce que dans la même semaine, je voyais quelqu'un qui venait vers moi. Donc, après ce démon bizarre qui m'a fui, je fais un autre son, je vois quelqu'un qui vient vers moi. Il sort mon âme du corps, de mon corps, et puis il prend des seaux d'eau, un grand seau d'eau, il verse, waouh, 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 il verse comme ça. Après, il remet mon âme dans le corps et il part. Et le deuxième jour, il revient, il sort mon âme, il verse de l'eau, il verse de l'eau, il verse de l'eau. En fait, ça me lavait, ça me lavait, ça me lavait. Et comme je commençais déjà à lire la Bible, quand vous tombez sur des passages comme quoi Christ a lavé, et Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé son Église, qu'il a purifié, qu'il a lavé par l'eau de sa parole, je me suis dit, au moment où je lis la Bible, je fais le son, un jour quelqu'un vient me laver. Non, j'ai compris que c'était Jésus en fait qui me lavait. Et c'est vrai, je me sentais purifiée. Je sentais que la culpabilité d'avoir perdu ma virginité aussi était partie. La peur de la mort, elle était partie. Une joie incommensurable est venue en moi et j'étais devenue passionnée de Dieu. J'étais devenue passionnée de Dieu. J'avais envie de parler de Dieu incessamment. Cette joie incommensurable s'est aussi accompagnée d'une grande compassion par rapport à tous ceux qui m'ont fait du mal. Donc j'ai compris que, sans vouloir bien sûr justifier, parce qu'on allait violer une enfant, c'est pas normal, aller violer même un adulte, c'est pas normal, vendre son enfant pour avoir du pouvoir, c'est pas normal. Donc voilà, ça c'est pas pour justifier cela, mais j'ai compris que mon père lui-même, il avait des blessures. Il avait des blessures. J'ai compris qu'il en voulait à Dieu par rapport à des blessures d'enfance. Il en voulait à un prêtre en particulier qui avait aussi abusé sexuellement de lui, en passant. Là, je passe juste certains détails. Mais ces personnes, en fait, je connais pas la vie du gardien, de l'électricien violeur, du gardien violeur, de l'oncle violeur, tout ça. Mais je sais une chose. C'est que ce n'était pas des personnes qui avaient la paix intérieure. Parce que quand tu as la paix intérieure, tu ne vas pas t'en prendre en fait à des enfants. Donc moi personnellement, vraiment, Dieu a fait une chose, c'est qu'il a d'abord ravivé cela en fait. Il a ravivé ma mémoire parce que tout cela, comme j'expliquais, c'était vraiment blanchi, il y avait comme un blanc. Et Dieu a ravivé en fait ma mémoire. Et puis, après avoir arrivé ma mémoire, parce qu'il m'a poussé donc maintenant à pardonner. Et à un moment donné, je me souviens même qu'il m'a dit, tu dois pardonner aussi l'Église catholique. Parce que je me souviens que j'en voulais au prêtre qui m'avait dit, ouais, il ne faut pas partir. Parce que je me suis dit, oh mais purée, s'il m'avait dit la vérité à ce moment-là, j'aurais donné ma vie vraiment à Christ avant. Mais voilà, une personne, quand on n'y connaît pas, elle ne peut pas donner en fait plus que ce qu'elle a. Donc, lui, il n'a donné que ce qu'il a appris. Donc, même si vous êtes un parent, un père, une mère, si vous avez mal appris quelque chose, vous allez aussi transmettre cela à votre enfant. Donc, du coup, franchement, j'ai essayé de pardonner, comme le Seigneur m'a encouragé. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Franchement, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a été un travail de longue haleine, quand même. De blessures qui ont pris le temps de guérir et certaines même encore, bon après dont je n'ai pas parlé, mais bon c'est pas important ici, mais qui sont encore en train de guérir. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même pu expérimenter le Dieu qui guérit les blessures intérieures. Donc j'ai compris que le diable, il a vu quelque chose de grand en moi, forcément, comme il en voit pour beaucoup de personnes, chez beaucoup de personnes, je veux dire.
Et il a essayé donc d'éteindre ça en me filant l'amertume. Donc Dieu m'a fait comprendre qu'en fait les eaux d'ordure là, c'était des eaux amères en fait. C'était des eaux amères. Et ce qui veut dire que toute ma vie, j'étais condamnée à vivre des choses qui allaient me communiquer l'amertume. Et d'ailleurs, en réfléchissant, je me suis dit, ah bah tiens, comme par hasard, comme ma grand-mère, comme ma mère, comme telle. En fait, on dirait une malédiction d'amertume. C'est-à-dire, même si toi, tu essaies d'être quelqu'un de bien, il y a toujours des choses qu'on te condamne à vivre pour que tu sois amer. Et l'une de ces choses-là, c'est d'avoir l'amertume contre les hommes religieux, avoir l'amertume contre Dieu, en fait. Parce que ben, quand un homme religieux nous a fait du mal, et en fait, on va dire, oui, si tel prêtre a fait ça, si tel pasteur a fait ça, c'est que Dieu n'existe pas. Mais en fait, non, ce sont des hommes, ce sont des hommes voilà, qui ont leur force, qui ont leur faiblesse. Donc, il ne faut pas regarder à eux, mais il faut regarder à notre véritable ennemi. En fait, c'est Satan qui agit derrière eux. Et eux aussi, ils ont besoin de guérison. Ils ont besoin de Jésus-Christ. Donc, le Seigneur m'a libérée de ça. Et voilà, j'ai pu cheminer avec lui comme ça. J'ai pu être libérée de jougs très, 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 très difficiles. Des jougs familiaux très, très, très difficiles. Des jougs religieux aussi très, 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 très difficiles. Et puis, bah, Dieu m'a vraiment fortifiée comme ça. Il m'a remplie de son esprit comme ça. Il m'a révélé quel était mon appel. Et en tout cas, j'y suis plein pot. Ça n'a pas toujours été facile parce qu'il y a un prix très, très difficile à payer par derrière. Mais franchement, pour rien au monde, pour rien au monde, je ne voudrais vivre dans l'état émotionnel, spirituel et même physique dans lequel j'étais avant, parce que bon, je ne l'ai pas précisé, mais là je vais le dire, avant que je donne ma vie à Christ, j'étais très maladive. À peine j'ai donné ma vie à Christ, à peine en fait cet état de maladie, 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 ça s'est arrêté. Alors que presque tous les mois j'allais à l'hôpital, il y avait toujours un petit bobo, un petit. C'était constant en fait. Et quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai arrêté. Le Seigneur m'a guéri d'une maladie, Dieu, un strabisme que j'avais. On m'avait dit, ouais, tu ne pourras jamais guérir de ça, il faut faire des rééducations. Dans le nom de Jésus-Christ, la chose a disparu. Pourtant, dans la famille, on a beaucoup qui ont encore. Donc, des témoignages comme ça de guérison physique, je peux vraiment dire en long et en large, en parler en long et en large. Mais en tout cas, Jésus-Christ a énormément fait pour moi. J'ai donc compris que la solution ne se trouve pas dans une religion. Mais ça se trouve en une seule personne. Quand j'ai dit Seigneur, où est la vérité? Dans l'islam, dans le catholicisme, protestantisme, bouddhisme, etc. Il ne m'a pas présenté ça. C'est Jésus que j'ai vu en fait. Donc la solution, c'est dans une personne, c'est dans Jésus-Christ. Aujourd'hui, vraiment, Dieu en tout cas fait de moi un berger de son église et je trouve que c'est un honneur. Et ce qui était douloureux, pour moi avant, aujourd'hui j'en fais une force par sa grâce parce que c'est ça aussi qui me permet en tout cas d'aider beaucoup de personnes autour de moi en tant que pasteur. Et c'est j'ai compris que ben en fait au lieu de toujours demander ben Seigneur pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi j'ai vécu ça, et ben il faut passer, il faut traverser. Et puis de toute façon le passé tu peux pas l'effacer, tu ne peux que pardonner, te pardonner à toi-même. J'ai dû me pardonner à moi-même d'avoir perdu ma virginité, par exemple, alors parce que j'y tenais. Il faut se pardonner soi-même nos erreurs, il faut pardonner aux gens qui nous ont fait du mal. Et Dieu, en tout cas, va faire de ces blessures-là, en fait, des forces. Et surtout, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Il ne faut pas avoir peur d'en parler parce que le fait d'en parler, je pense qu'on libère vraiment une puissance. Et puis, cette puissance-là, comme il est écrit, ils l'ont vaincue par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Donc, j'espère vraiment que ce témoignage va toucher une personne aujourd'hui. Il est long, mais j'ai voulu me laisser conduire par le Seigneur parce que je crois que quelqu'un a besoin de prendre le temps de l'écouter. Et puis, le Saint-Esprit, vraiment, si vous avez vécu aussi en particulier des traumatismes d'ordre sexuel, des rejets familiaux, de la famille, bah, comme moi je l'ai vécu, hein, parce que moi aujourd'hui, ma famille m'a rejetée à cause de Jésus-Christ. Mais franchement, Dieu m'a donné une nouvelle famille et je suis très, très, très contente. Donc je vais prendre le temps de prier. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te dis merci pour ce moment. Déjà pour la force et le courage que tu me donnes de partager cette partie intime de ma vie. Et je prie que cela puisse toucher une personne, Seigneur, une femme ou un homme qui a besoin de l'entendre. Je te prie particulièrement pour quelqu'un qui a abusé d'une enfant ou d'un enfant, Seigneur. Peut-être ça peut être un homme de Dieu.
ou alors même pas forcément une personne dite homme de Dieu, mais je t'en prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je te prie vraiment que tu fasses grâce et que tu donnes le courage à cette personne, Seigneur, de se pardonner, de demander pardon, Seigneur, à sa victime, de se pardonner, de t'accepter comme son Seigneur et son Sauveur. Si vous avez envie de donner votre vie au Seigneur, faites avec moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour avoir vécu ma vie selon mes propres convictions. Je te prie que tu me pardonnes mes péchés. Remplis-moi de ton esprit. Fais tomber les écailles de mes yeux. Emmène-moi dans les sentiers de ta justice et de ton amour. Fais de moi un enfant de Dieu. Accorde-moi ton pardon et la grâce de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Vous êtes bénis.